Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Bon, alors, comment vous allez? Vous allez bien? Vous voyez bien, nous? Voilà. Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. C'est la maman. La maman, la maman. Celle qu'on ne présente plus, la maman. Pardon, partagez la vidéo. Oui, je suis à l'aile du milieu maintenant. Ah, il y a les ailes. Tu vois, non, aile gauche, aile droite. Je suis dans l'aile du milieu. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Dans mon havre de paix, mon nid d'amour. Dans mon domicile conjugal. Bien installé. Bonne fête de travail à tous les travailleurs. Oui. Bonne fête de travail à tous les travailleurs. Oui, je suis dans l'aile du milieu. Il y a l'aile gauche, l'aile droite, l'aile de... C'est ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je veux le nombre. Bipé Prezi Amot. Jaguar Amot. Ça, là, je ne vais même pas porter les gants. Hein. Prezi Amot. Virus Lydia. Oui, Virus Lydia, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, Ngoï Satan. C'est très important. Voilà. Il y a quelqu'un qui a écrit sur un de mes posts là tout à l'heure. Tu vois, mes lunettes de lecture. Vous savez que la vieillesse n'est pas. Avec l'âge là, on me met là les lunettes. Maman, l'école est finie aussi en vacances officiellement de l'école. Je suis en vacances officiellement de l'école. Avec de très belles notes, s'il vous plaît. Donc, je reprends en septembre. Vous savez que je vais lentement, sûrement et bien. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Attends. C'est ça. Alors, comment vous allez? Attendez, je tire bien. Parce que la robe a l'élastique. J'adore les habits avec l'élastique, maman. Quand la belle carrue de la mère Sanjang s'en sort comme ça, là. Elle dit que merde, la mère de 51 ans qui est tout là, qu'elle répond. L'âge, c'est les chiffres. Donc, les vieilles chouettes qui ont coupé l'âge, là. Vous n'avez pas pensé que ça devait être les chiffres? Vous êtes parti couper. N'importe nawat. Tout là, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Attendez, je vais écrire quelque chose. Partagez, oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oh, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Maman, oui, félicité. Andikiti Brigitte, moi, tchado, okolo. C'est mon beau maman. Partagez le direct. Bipé-moi, Prezi Amot, Jaguar Amot. Et Virus Lydia, ma fille Virus Lydia, et sans oublier Ngoï Satan, voilà. Vous savez que comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on s'y couche, c'est très important. Et franchement, ceux qui viennent dans mon direct dire que oui, vous n'avez rien d'autre à faire, vous mettez les directs de je ne sais pas quoi, vous faites honte à la communauté, vous deviez faire des trucs plus constructifs ou plus... Papa, va déjà sur ton mur, tu commences à construire ce que tu vas construire. Nous, on va venir te suivre là-bas. Tu as compris, non? En ce moment, le Japap, c'est le numéro 1. Oui, oui, pas partager, maman Carole, tu reviens. Quand tu entres, tu mets j'aime d'abord. Tu adores le dire parce que la femme est assise dans l'aile du milieu de sa propriété. Oui, l'aile du milieu. Quand on ne se vante pas, vous pensez que c'est parce qu'on a peur de vous. Vous comprenez, non? Avant même de rencontrer la SAPA, j'étais dans ma propriété. Première année qu'elle vient au Canada, je suis dans ma propriété. Donc, il est à noter qu'on parle des choses de 7-8 ans. D'accord? Donc, faut pas... Quand les gens décident qu'ils vivent, non, ça dit que simplement, faut accepter. Mais si vous essayez d'en admettre, ils vont vous servir. Et c'est ce que je fais. Je vous donne... Je vous donne, ça dit que comme il se doit. Vous comprenez, non? Voilà. Moi, je n'ai pas peur des gens. Moi, c'est le respect qui me lie avec les gens.
je respecte beaucoup les gens. Beaucoup. Donc, voilà. Et il y a les choses que... Ça dit que nous sommes des adultes. Hein. Nous sommes des adultes. Il n'y a pas d'enfants ici sur Meta. Voilà. Donc, quand tu fais les choses, tu les assumes proprement. Voilà. Vous êtes là. Hein? Oui, je suis là. La maman, la charismatique, l'imposante. Hein? La maman, la reine-mère Biomit & Love. Ça dit que la directrice fondatrice de reine-mère Biomit & Love. Oui, oui, c'est moi. Vous allez, ça dit que ça va être appétissant et mangeable. Meet & Love. Oui, oui. Tout le monde dedans va être terriblement marré pour la vie. Comme moi-même là. Je dis qu'assise, hora. Bien assise dans son foyer conjugal. Ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffera jamais. On ne peut pas comparer l'incomparable. Donc, partagez la vidéo, vous le verrez. J'attends le nombre. Aujourd'hui, là, si ce n'est pas 250, je ne parle même pas. Je dois me vanter. Oui, parce que quand Dieu décide que, ma fille, au-delà de tout, je t'élève, tu te vantes. Je dois me vanter. Oh, c'est comme ça. Je me vante. Je m'en galma. Propre. Je me vante. Mais c'est facile. Bipez-moi le président Amout. Vous comprenez, non? Avec son épouse. Parce qu'il y a des choses, vous savez, dans la vie. Il y a des choses qui arrivent et puis vous vous dites, mais attends, réflexion faite. Hein. C'était même vraiment ce qui devait se passer, réflexion faite. Alors, voilà. Et vous savez, vous connaissez bien mon engouement, mon hardiesse, ma détermination, mon endurance, ma persévérance. C'est ça qui fait mon succès. C'est pour ça que j'ai réussi dans ce truc-ci. D'accord? Vous voyez que ça a l'air que c'est rien. Mais c'est un beau maillet. Je suis à devant. Devant de chez devant. Bonjour mon bébé Raïcha. Installe-toi. Sors d'abord, tu fais ton partage, tu reviens. J'exige les partages et j'attends le nombre. J'ai le droit. C'est comme ça. Ça dit que dans la vie, comment on fait son lit, on s'y couche. Tu dresses bien ton lit, tu dors bien. Tu dresses mal, tu dors mal. Oui, c'est comme ça. On n'a plus de questions à poser. Ceux qui trouvent que c'est exagéré, comment vous faites les choses, vous faites les postes pour parler des choses, or qu'il fallait que vous... Papa, c'est simple. Zuckerberg, c'est l'homme le plus généreux de la planète. Après Jésus, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il a créé un réseau où tout le monde peut faire ce qu'il veut. J'ai dit bien, tu ouvres ton réseau aujourd'hui, demain tu peux avoir 1 million d'abonnés. Point final. Bonjour ma chérie Matt, installe-toi. Prends le tabouret. Oui, sors, aime la vidéo, partage et reviens. Je t'attends. Je veux le nombre 200. Une dessous des personnes. Donc, Paël Zuckerberg a fait un outil où tout le monde peut devenir quelqu'un. Oui, tout le monde peut devenir quelqu'un dans l'outil de Zuckerberg. D'accord? Donc, il ne faut pas que les vieilles chouettes, des femmes qui sont assises, ça veut dire que quand elles sont dans leur domicile, c'est entre, assois-toi. Elles sont sur des chaises que les gossons ont pissé sur ça. Les tapis et les nappes qu'elles ramassent pour faire les brocantes avec les punaises au pays. Elles viennent me parler. Ma chérie, ce genre de chaise que je suis assise là, c'est 5000 balles. J'ai dit 5000 $ propres. Oui, que j'achète, je m'assois dessus. Claude Akam, je te salue. Tu es venu, hein, tu n'aimes pas, tu ne laisses pas. Je t'ai envoyé la vidéo où j'étais à la soirée, Claude Akam. Je te fabrique. Tu es la seule mouche que j'avais fabriquée chez moi. Claude Akam, je te fabrique. Tu peux même commenter, tu n'es pas bloqué. Je t'ai envoyé la vidéo. Tu n'as pas vu la vidéo où j'ai dansé. Tu peux coller avec le Congo libre. Tu dis, c'est la même femme. J'assume. J'assume qui je suis. J'assume ma grosse tête pleine de sagesse. Mes résultats à l'université sont magnifiques. Vous m'énervez trop et vous postez ça. Donc ça veut dire que même à 51 ans, le cerveau répond. Et ce qui est dans ma tête, vous n'avez pas enlevé ça. Claude Akam, voici le genre de chaise que les vrais gens doivent s'asseoir. C'est 5000 balles. Propre. Pas les chaises comme ça. Tu sais que c'est le vrai cuir. J'ai ça depuis peut-être 12 ans. Ça n'a pas bougé. Donc j'ai acheté avant de connaître ta patronne. Quand elle était entrée chez moi, il y avait les chaises ici. D'accord, Claude Akam? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui sont dans la durabilité. Oui, oui, ils ne sont pas dans le vra-vra de verse. Elle est, depuis que je la connais, elle a cette qualité de fauteuil parce que c'est du vra-vra qu'elle achète. Ça là, quand elle entrait chez moi, retourne aux archives. Comme tu connais chercher les archives, tu vas voir quand elle est venue chez moi ici, elle avait les assiettes. Quand elle a fini de manger, elle avait les assiettes. Première année, j'avais assez chaises ici. Et c'est là, intacte. Donc ma fille Livna là, qui a 14 ans là, a joué sur ses chaises, dormi, se réveiller, mais c'est pas gâté. C'est pour cela qu'on voit la propreté et la qualité d'une grande dame. Chimbrou. Vous vous placez où? Vous prenez votre chance où? Vous prenez votre force et votre courage où? Vous décidez que vous allez salir ce qui est propre comment? Je vous ai dit que Facebook, on va se respecter ici ce matin. Ça veut dire qu'il y aura deux couloirs, les médiocres et les bien gens. Oui. Ce qui est sûr, c'est ça. D'accord?
Donc arrêtez un peu. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué de voir qu'en face de vous, vous avez des personnes solides, téméraires et endurantes. Vous n'êtes pas fatigué. Vous ne voyez pas que game is over. C'est le temps de déposer les armes et de sortir même. Claude Akam, sors de ton profil. Tu nous montres ta tronche. On voit à quoi tu ressembles. Seulement, tu as la tête comme la tête de l'Afrique du gars là, que vous appelez qui là. Celui qui dit qu'il est plus, c'est sans team ou c'est team neutre ou c'est team quoi. Le gars qui a la tête comme l'Afrique qui danse le dessin animé des Tintin là. Où il est ton vidéo, sa bouche est séchée, ses yeux sont comme ça, il a traversé l'orbite. Mais tu regardes les animés, tu sens que la reine met bio là. Hein? Vous êtes malade? Vous fumez quoi? Claude Akam prend toutes les vidéos. Tu as oublié là où je sortais de la voiture? Vas-y, c'était l'année passée. Exactement en été, j'allais chercher le gâteau. Et j'avais un gâteau, je sortais, ma robe s'est ouverte par inadvertance. Prends cette partie, tu postes. Ça change quoi? Hein? Dis à Anna Ngam avec ses dents de facochère, une petite soeur indigne, une petite soeur comme on n'aimerait pas les avoir. Il faut lui dire qu'on a tué le marché de sa grande soeur. Qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle en fait? Viens sur moi, c'est moi qui ai tué le marché de sa grande soeur. Quand il y avait l'affaire de Misunga Gate, j'ai même laissé, même si je faisais Misunga, j'étais en France. C'est moi qui a tué. Combien de personnes ont fait le Misunga derrière? Hein, Claude Akam, vous êtes malade? Angoulède, toute la bande. Vous n'êtes pas fatigué. Vous ne voyez pas que les caricatures, les gens ne suivent plus trop ça. Les gens s'en foutent des caricatures. Tu prends une personne qui est venue sur les réseaux se présenter, tu la repostes, tu dis que c'est comme si tu me prendrais avec mes épaules. Ça dit que ma belle, ça dit que les jolies épaules que j'ai là, que j'adore là. Tu me mets là-bas, ça va quoi? C'est mes épaules, je suis venue avec comme ça. Il est dans le direct, ne le tacle pas, il est derrière là, je l'ai vu. Il va nier qu'il n'est pas venu, il est terriblement venu. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. L'autre jour, il va sur le direct de la doyenne de Suisse qui est en train de parler au grand bandit de grand chemin, comment on l'appelle là? Narcisse Sourouffre. Elle est en train de parler à Narcisse Sourouffre. Elle est en train de parler à Narcisse Sourouffre. Et lui, il parle là-bas, il me tague. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Claude Akam, tu vas finalement tomber en amour avec ma personne. Je suis aimable. Je suis reine mère bio, meet and love. Tu me vois, tu m'aimes tout de suite. D'accord? Et mon agence que vous avez décidé que vous allez détruire, c'est meet and love. Donc rencontre et amour. Quand tu me vois, tu m'aimes tout de suite. Je suis allée à un anniversaire de 60 ans. J'ai signé les autographes dans la salle. Les gens qui étaient même des États-Unis pour faire des selfies avec moi. Les gens même qui étaient dans l'anniversaire, qui semblaient être les grandes, je ne sais pas quoi, de l'anniversaire, étaient derrière comme les fesses. Moi, on venait faire photo et moi et vidéo. Je vous dis, hoha, star même dans son pays, assise, sans agitation. C'est quoi qu'il faut montrer? Je voulais à tout montrer. Vous venez me dire que vous allez me réduire un frigo. Le frigo que mon chéri a décidé d'acheter pour la cuisine qu'il a décidé de me monter. Qu'il a dit, chérie, c'est ça que tu veux? Oui, tout ce que vous voulez dire, c'est que prends seulement. Mon mari qui me met en haut, mon mari. Hein? Vous êtes sérieux? On va courir sur mes temps. Je n'ai pas peur de vous. Vous avez dit que vous allez boycotter. Ça va être le début de la publicité. N'oubliez pas, hein? La vidéo est déjà partie. Commencez à prendre ça, mettez les cornes du diable sur ça. Comme on vous connaît. Aspergez un peu de poudre de perlimpinpin et d'huile rouge et de fil marron. Pour dire que c'est de la sorcellerie, même comme vous voulez là. Mettez tout ça. Commencez, je vais partager vos montages. On va rire, on va courir sur mes temps. Vous ne savez pas ce que vous avez fabriqué. Sans vous en rendre compte, je suis une bombe à retardement. Je vais vous traiter jusqu'à ce qu'on ne va pas vous dire. J'ai dit ça, Roha. D'accord? À ton acolyte, Anna Ngamba, qui fait tout pour t'offrir une espèce de je ne sais même pas. C'est un piédestal, c'est quoi? C'est pour un peu t'apaiser, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Mais le marché de sa grande sœur, Ngoï Satana Bitsa au sol. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. On ne peut pas faire ça. Mais Anna n'a jamais riposté Ngoï. C'est moi qu'elle vient prendre. Tout comme celle qui mange les crottes de nez, elle vient, je ne sais pas ce qu'il a piqué, son tic s'est développé en direct. C'est un tic. Tu manges tes crottes de nez, c'est tes narines à toi. Il y a des gens qui. Combien de personnes étant enfants n'ont pas mangé les crottes de nez? Quand tu étais enfant, mais la mauve, tu tires. Tu dis, c'est salé. Tu vois que tu dis le goût, c'est salé, je connais. C'est, j'ai aussi des narines, j'ai des crottes. Allô? Mais tu l'as mangé en public, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En plus, tu as dormi l'autre jour jusqu'à faire un gros pet. C'est ma faute? Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, vous pensez que vous allez exterminer les gens sur Meta? J'ai dit, vous là sur Meta, là, quand vous vous levez, vous posez des actions. Quand ça vient nous trouver, c'est le carrefour. Comme moi, je suis maintenant connecté, là, il y a les alinéas du direct. Merci, mon nombre est atteint. Merci. Le partage est effectif. Là, c'est mon nombre. C'est la quantité de gens que j'ai quand je suis connecté. Je n'ai pas besoin de 5 000 personnes, 10 000 personnes à la con qui ne sont pas capables de vider un stock de marchandises.
Les laits de beauté sont calés chez Ngoï. Elle a 500, 150, 200 000 abonnés. Les laits de beauté, ça manque seulement. On prend que le dissolvant pour changer les dates avec. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai une, ça dit qu'une communauté d'élite qui me suit. J'ai une communauté d'élite qui me suit. D'accord? Et quand ça me pique, je vous glace dans le frigo. Propre. Ngoï est le morgue de mon frigo. Ça ne chauffe pas. D'accord? Elle vient mettre les prix que c'est 109 ou c'est 1009 ou c'est 109. Ma chérie, bonjour mon bébé Véronica, prends place. Sors d'abord, aime le direct, partage, bip même les fous. Bip tous les gens de tes cachiens, tous ceux que tu connais là-bas, bip, qui viennent. Regardez-moi ça. Vous venez sur les réseaux, quelque chose. Il y a ce qu'on appelle l'ignorance intentionnelle, le mea culpa. Tu fais genre, comme si tu n'as pas vu, tu fais genre, ouais, maman, c'est encore quoi ça y est. Et tu téléphones même là, tu t'es prise la grosse tête. Voilà que ton dolet pourri d'un grand mariage est venu nous trouver ici. Franchement, faut arrêter. Allô, personne ne peut me déranger, tu me connais. Très stable. Droite comme I, cerveau plein. J'ai dit que la sagesse, non, l'intelligence, non, la mémoire, non. Maman, j'y rajeunis le feu sort. Ce qu'on peut vous enlever, notez. Notez les journées de travail, vous les travailleurs, vous les non-travailleurs, même les travailleurs sans salaire. Oui, même les sapacs sans déclaration comme Ngoï là. Ce qu'on peut vous enlever dans votre vie, c'est tout ce qui est... on peut tout vous enlever sauf la mémoire, ce qui est dans votre tête. Ce que vous avez pris le temps de travailler dans votre tête. D'accord? Regardez-moi ça. Regardez-moi les conneries. Alors, j'ai demandé de me biper le président parce que, franchement, le président a monté son épouse parce que je vais commencer avec eux d'abord. Voilà, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui arrivent et que, voilà, ça prend le temps de les souligner, hein, c'est très important. Parce que voyez-vous, nous sommes une communauté de diasporiens. Nous sommes venus dans la diaspora, nous sommes nombreux dans la diaspora. Et la diaspora positive aimerait qu'on parle bien d'eux. Malheureusement, nous avons un feedback très sale des Camerounais un peu partout dans le monde. Quand tu arrives quelque part, on dit tu es quoi? Dis que tu es Camerounaise n'est pas vraiment plaisant. Bon, moi je suis fière d'avoir la seconde nationalité canadienne qui me protège un peu en quelque sorte. Mais celle du Cameroun, elle est très salie par un groupuscule de gens. Ceci étant, je vais essayer de partir d'abord avec le président avant de continuer parce qu'aujourd'hui, en direct, là, je vais vous taper ça sec. Moi, ne porte pas les gants. Je n'ai pas peur de la souillure que vous allez me donner parce que j'ai eu pire dans la team de Ngoï. J'ai eu ce que, au-delà de ce qu'on ne pouvait imaginer pour un individu qui n'a rien fait. Donc, ce que d'autres personnes, les petits apprentis, sorciers, comme dit le président Paul Biya, sont en train de faire, ça va plus me faire quelque chose. Ça, il faut que vous le notez dans votre ciboule et dans vos boîtes à camembert. Voilà, c'est un peu ça. Allez, bois de l'eau. Maman, quand je mets dans la bouteille, vous allez me dire pourquoi elle est dans la maison, elle met dans la bouteille. Quand je mets dans la bouteille, c'est parce que je veux mesurer la quantité d'eau que je bois par jour, s'il vous plaît. Donc, bonjour mon fils, Tolundon. Eh, Menkatio. Je chante pour ma bonne Pascal. Mon confu. Tu mon beau, le mignon garçon. Voilà. Je vais dire que tu bois ton jour, bon jeune bou. Bon lap là. Bon tu sois mon bête là. Bon n'y a que tu es fun. Bon ben zuise bou chou en moi, bou sans soit fou m'non. Bon chou ma pour sanga ka vun se la. Bon jeune bou. Bon fou koko. Bon fou nga fou la. Bon tchachou le langue gbe. Bon tout tchou n'su n'que ça. Bon lang tchou n'su fou rante. Bon lam bête. Bon tout tchou tchou. Bon n'y a que tu es fun. Bon bou. Bon tchèk ngap. Bon yesh. Me bête tu vois que ka fanke. Mouf. Pascal, c'est que je mesure, ma bouteille est déjà vieille, je mesure la quantité d'eau que je vais boire, c'est un peu ça. Je suis assise comme ça dans l'aile du milieu de la propriété, c'est important que je vous le dise. Et c'est la propriété que Magina Kinkam est venue au Canada et m'a vue là, c'est dedans que je suis assise. D'accord? Et sur des chaises qui datent, j'ai acheté ces chaises il y a peut-être déjà 12 ans, et elles sont là nettes. Mbomae, bonjour, c'est ça, une femme. Pas qu'aujourd'hui on a le salon jaune. L'autre jour, on a le beige, après on a le bleu, on a le vert, on a le manoubaba kam kam jang, les chaises que les gens ont mis dans les maisons de passe. On a pimentier là-dessus, on a pimentier saucé tomaté là-dessus. Jang yobe, on a changé. Couleur jaune, couleur vert, couleur rouge, couleur. Me bat toujours I, droite sur la verticale, à la même adresse. Moi, je vais tirer, non? D'accord? On n'est pas la même chose. Et on ne peut pas demander à une femme terriblement mariée de faire un challenge avec une voleuse de maritiza ou alors une sapate, une chèlée et lesbienne que personne n'assume. Aucune lèle ne la prend, aucune hétéro ne la prend. On ne peut pas demander à une femme terriblement mariée de faire ce genre de challenge. Appelez-moi les femmes mariées, nous faisons le challenge ensemble. Là, on sait de quoi on parle. Parce que même dans mon agence, Reine Mère Bio Meet & Love, les coachs
c'est des femmes mariées avec des années-lumière sur leur mariage, qui ont à cœur leurs semblables et qui sont concernées pour accompagner et outiller ces personnes. D'accord? Donc, franchement, je ne peux pas rentrer dans ces challenges à la con. Présenter les maris, le tisa qui a volé, le mari fait la vidéo, selfie, le mari volé. Je suis avec mon homme, le sang de ma veine, celui qui a mis mon mimolo en haut, Mary Eguzo d'autres, marié devant 600 personnes, 237. Vous avez tout dit sur Meta. Et on est toujours là. Voix comme celle qui est, on est voix sur nos bottes. Ça ne chauffe pas. J'ai juste dit que les images, non, je ne vous donne plus. Vous n'avez que penser ce que vous voulez. Ça fait quoi? Depuis que vous pensez là, ça fait quoi? Encore la mort. Encore la mort. Un vacuum. Ça fait quoi? Ça va quoi? Ça va faire quoi? Bien quoi, elle va me faire la règle à moi? Assez que moi? Assez que moi? Ça va faire quoi? Un galop moi? Un sort que moi? Un site que moi? Ça va faire quoi? Et ça, ça empêche que ma bonne venge, non, c'est mon venge à vie. Et ça empêche que ma chambre de l'eau de babou tchari. Et ça empêche que mes amis sont mes amis. Un galop moi? Un fort que moi? Un sort que moi? Un site que moi? Et ça empêche mon compte bancaire? Un sort que moi? Est-ce que mes projets à longue écoute me sont arrêtés? Un sort que moi? Est-ce que René Diomitelov ne verra pas le jour? Un sort que moi? Ça me fait quoi? Ça me regarde quoi? J'appelle le couple terriblement marié, monsieur et madame Jaguar Amont. Est-ce que madame Jaguar a monté dans la salle? Ou monsieur Amont? Je vais parler quand ils sont là. Parce que vous savez, comme on fait son lit, on s'y couche. Nous avons eu beaucoup de soubresauts sur les réseaux. Ça fait aller, avancer, reculer, avancer, reculer. Un coup c'est ceci, un coup c'est cela, un coup c'est... Je ne sais pas. On a eu tellement de choses et tout. Et vraiment, sans vous mentir, on est même allé jusqu'à vraiment même pas... Ça dit qu'il y a eu des accusations, des plaintes, des gens peut-être qui sont insatisfaits de pas et d'autres qui ramènent des histoires. Et puis on se trouve en train de tirer sur un tel, acheter le problème du sens qui nous arrange, où c'est monté, c'est descendu. Je veux dire, on a eu tous ces soubresauts. Avec du recul, avec le temps, avec aussi le Covid qui a beaucoup aidé, parce que le Covid a permis aux gens de faire ce qu'on appelle un espèce de ménage, un ménage dans leur vie. D'accord? On est arrivé à conclure que ce qui est sera, toute autorité vient de Dieu. C'est la Bible qui dit ça. Toute autorité vient de Dieu. Quand vous vous levez, vous donnez un titre à quelqu'un. Quand vous montez, vous descendez, le titre ne peut pas descendre. Ça va seulement rester comme ça. À partir du moment où la personne a approuvé le titre et la personne a travaillé à l'ascension du titre, le titre ne descend pas. Donc, j'appelle ici le président. Il est parfait. Est-ce que ma chérie Patricia Gemel Even en Real TV est sur place, s'il vous plaît? Le président, il est parfait. Donnons à César ce qui lui appartient, s'il vous plaît. Le président, il est parfait. Donnons à César ce qui lui appartient, s'il vous plaît. On n'a que 36 partages, c'est pas assez. Vous êtes sérieux? Donc, c'est 36 partages qui a appelé les gens. C'est... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que c'est 36? Attends, je refresh la page. Hein. Je suis assise là. J'ai décidé de m'asseoir un peu sur mon sofa là, avant de parler aujourd'hui. Parce que bon, voilà, ça me tentait un peu. Ça me tentait pas de... Voilà. Le président, il est parfait. Le président, il est parfait. Est-ce que le président est arrivé? Il est dans la salle? Je ne sais pas. Si quelqu'un me confirme qu'il n'a même vu. Seulement son nom qui est passé là, vous me dites, je donne sa parole. Je donne sa parole. Je dis que si le président est passé là, vous me dites, je donne sa parole. Patouchou est appelé à monter à la barre parce que j'ai des questions pour elle. Quand je vous dis souvent ça, oui, comme les gens sont même occupés, c'est difficile. Hein? Faut vraiment que je prenne le téléphone, j'appelle tout le monde avant d'entrer en direct. C'est compliqué. Hein? Très compliqué. Donc, moi, je vais venir, n'est-ce pas, parler de quelque chose. Ces derniers temps, vraiment. Moi, j'ai une relation particulière avec le président Amot. On se parle, on s'écrit. Ok, à 61 partages, merci beaucoup ma chérie, j'ai refresh, je n'ai pas fait attention. Merci, continue à partager, on doit avoir 300 partages, c'est comme ça. Maintenant c'est 87 partages, parfait, je viens de voir. Désolé, j'ai refresh, c'est pour ça que je ne voyais pas, c'est correct. Merci, on continue à partager le direct parce que c'est important. C'est important parce que la diaspora positive qui ne évolue pas dans le couloir des médiocres va vraiment, et qui n'accepte plus des médiocres, va vraiment s'exprimer, d'accord. Dans la vie, il y a un dicton qui dit, ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Quand je fais mon direct, je parle souvent. Vous pensez que j'écris quelque part ou je lis quelque part. C'est que je suis une bibliothèque. Je suis comme une... Je ne sais même pas quel terme utiliser. Pardon, que les intellectuels qui sont là me donnent un peu le mot que je suis. Parce que moi, je wanda sur moi. Je suis rendue à un niveau où quand quelqu'un m'appelle, même pour un business,
pour quelque chose, pour monter quelque chose. Quand elle lui parle, il prend le bic, il écrit. Parce que ça sort. Je suis une tête pensante. Je suis une tête pensante. Oui, oui, je suis une tête pensante. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que je sois un leader, un guide. Je suis devant et on me suit. Sans me vanter, avec toute l'humilité qui va avec, je suis une tête pensante. Je peux le dire parce que je sais de quoi je parle. D'accord? Donc, nous sommes restés ici sur Meta. On nous a donné le président. À mon tour, on nous a vendu que c'est le président. D'accord? D'autres étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Dépendamment de dans quel mouvement ça, on appartenait, dépendamment de quel couloir on était, il y en a qui ont approuvé, il y en a qui n'ont pas approuvé, il y en a qui étaient contents, il y en a qui étaient fâchés. Moi-même, à un moment, j'étais fâchée avec le président, vous le savez. Et quand il faisait, il disait que le président est hypocrite, parce que j'étais choquée qu'il m'a donné une parole et il n'avait pas respecté. Et s'il te plaît, et s'il vous plaît, un livre ouvert. Merci, je suis un livre ouvert. Je n'appartiens à aucune team, je suis dans aucun groupe et je dis ce qui est. Merci beaucoup, ma chérie, un livre ouvert. Donc, j'étais un peu choquée du président, vous vous rappelez, j'étais très vachée, je suis disant le président, franchement, je lui ai parlé un truc, il m'a dit qu'il me revenait, il n'est pas revenu, c'est un président hypocrite, je suis restée sur ça. Et quand Goué embarquait sur lui, vous avez vu, c'était vraiment, elle n'est pas allée de même monde. Dans la vie, ma jeunesse à qui je parle, parce que quand je parle très souvent, je suis plus actuée à la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est encore en train de se construire. Et moi, quand je vois des jeunes 20 ans, 25 ans, 30 ans, jusqu'à 35 ans, même pas 40, 30 ans jusqu'à 35 ans, ça dit ce qu'elle peut accoucher. Quand tu as 32 ans, pour moi, tu es mon enfant. Quand tu as jusqu'à 35 ans, quand elle parle à ces gens, elle parle comme si je parlais à Leslie. Je suis involved, je suis en plein là-dedans. Et c'est eux qui sont vraiment, comme c'est eux qui vont prendre la relève vraiment, parce qu'ils sont encore dans ce bassin-là. Tu vois, c'est mes enfants. Voilà. Donc, ce président Amot, monsieur Amot, qu'on nous a donné ici comme président, et qu'il y avait beaucoup de polémiques, hein, tout le monde, il fait quoi? Il est faux, beaux ailleurs, il est fait man, voleur, tout ce que tu veux. Les métiers que les gens ont ici, hein? Le lot vous dépasse. Merci, ma chérie. Les métiers que les gens ici dehors, tu comprends? Les métiers que les gens ici dehors, peu importe le métier qu'il a, le plus important, c'est que s'il assume la faisabilité de la chose, les conséquences de la chose, c'est son problème. On n'a pas besoin de les juger. À moins que quelqu'un t'offense. Comme moi, quand j'ai dit qu'on goye sa Pâque, vous le savez, c'est pas que j'insulte toutes les sapaques. Une fille qui décide de faire le piment, de vendre son corps, j'ai rien à lui reprocher. J'ai rien à dire, j'ai rien à... Je peux même pas dire que pourquoi elle fait ça. Si sa vie, c'est son choix, je respecte son choix et ses positions. Mais quand elle m'énerve et elle m'attaque, je dis bordel. C'est comme ça. Oui, parce que tu m'as attaqué. Voilà. Mais si tu es sa part, je ne peux pas te juger. Parce que dans la Bible, la prostituée, quand on voulait lui lancer le caillou, même Jésus a dit que celui qui n'a pas péché lance. Tout le monde a jeté son caillou et est parti en solo. Parce que nous tous là, peut-être qu'on va m'arriver au paradis, c'est les waka qui sont à côté de Dieu et nous on sera pas à côté. Par rapport à parapotage. Donc par rapport là, ne mettons pas à juger, ne nous mettons pas à juger les gens tout le temps, sans avoir de motif fondé ou de raison. Moi, le président Amot, c'est comme ça qu'il nous a été vendu. C'était le président, il n'y avait pas son deuil. Tous les mariages de Meta, c'était son mariage qu'on ramenait. Même si quelqu'un fait le mariage, c'est beau. Il descend par le toit, il atterrit au sol, il passe par l'hélicoptère, le vol. C'était toujours pour lui qui était mieux. On cassait pour les autres. Par qui? Par Goï Satan. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Okay? Le président Amot m'a envoyé la vidéo du défilé de sa fête de travail. J'étais tellement contente de sa compagnie SIA. Une compagnie, oui, comme toute compagnie qui a ses hauts et ses bas, ses soubresauts. Il y en a qui vont se plaindre de SIA. Moi, j'avais vu une femme qui se plaignait à un moment. Il y a d'autres qui vont être satisfaits. Par rapport à parapotage, dans toute chose, tout le monde n'est pas satisfait. Donc, il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui ne se plaignent pas. Donc, ça, on va passer les détails. Mais on va juste dire qu'aujourd'hui, au défilé de la fête du travail, la compagnie SIA Immobilier a défilé la compagnie de Prési Amot. Donc, on va commencer par ça parce que ceux qui veulent acquérir l'immobilier, essayez de contacter Prési Amot. Bonjour, D'Angelo Blake, je te salue. Prends place, partage, tu reviens. J'ai aimé que tu partages ma petite capsule en boucle de Reine Mère Bio Meet & Love. Merci beaucoup du partage, D'Angelo, c'est très gentil. Le bébé naissant arrive et les gens vont vraiment avoir, ça dit que les mentalités vont changer, les gens vont être capables de rentrer dans des relations avec un esprit vraiment un esprit d'avancement et non un esprit d'exploitation. Voilà. D'avancement ensemble, hein? Oui, ensemble. Et non un esprit d'exploitation et devenir voler, détruire, dérober comme les voleurs. C'est ça, Reine Mère Bio Meet & Love. Je vous dis que ça va courir dans mes tas. D'accord? Alors aujourd'hui, le président Amot, monsieur Amot, l'épouse de ma petite Sisto, Jaguar, la beauté, est tellement belle cette femme-là. Tout ce qu'elle fait, c'est toujours beau, c'est cute, c'est mignon. Et ces postes qui m'impressionnent beaucoup plus ces temps-ci, c'est quand elle dit
quand les gens vous ont cherché, vous ont offensé, je vais dire en d'autres mots, hein, je ne sais pas si j'ai vraiment le mot complet comme ça se dit, mais c'est le sens. Quand les gens ont des problèmes avec vous et que vous faites un post, merci pour les étoiles d'Angelo, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Donc quand les gens, Jaguar a dit, quand les gens ont, comment dirais-je, quand les gens ont un problème avec toi et que ils essayent de... Comment je peux expliquer ça? Quand les gens ont des problèmes avec toi et que tu fais un post, le post que tu fais sur Meta fait en sorte que les gens pensent que c'est à eux que tu t'adresses. Voilà. Jaguar a dit ça. Madame Amota a dit ça, elle dit tout le temps ça comme phrase, parce que quand elle fait ses posts, elle est quelqu'un de TikTok, quelqu'un qui aime toujours avoir une petite présence sur le net, elle salue un peu les gens, elle danse et tout, et quand elle fait son post, ceux qui l'ont offensé pensent qu'elle s'adresse à eux, mais forcément, c'est une pensée qu'elle a du jour, qui ne regarde pas forcément ces personnes. J'aime bien ce côté-là, parce que justement, ça peut être l'ensemble de ses combats, l'ensemble de ce qu'elle a vécu, qui l'amène à être dans ce genre d'état d'esprit. On ne peut pas juger pourquoi quelqu'un, quand il parle toujours dans telle façon ou il parle toujours dans telle façon. C'est-à-dire qu'elle, quand elle parle, elle a ce petit côté et elle dit toujours, ceux qui t'ont offensé pensent que tu crois que c'est à eux que tu t'adresses. Pourtant, tu es en train de parler aux autres même qui sont en route de le faire. Parce qu'en balantant, on dit que nous, c'est-à-dire que les problèmes arrivent encore, il y a encore d'autres problèmes qui arrivent. Donc, moi là, aujourd'hui, je ne vais pas me mettre au frigo. Voilà. Je vais laisser reposer le frigo parce que les vieilles chouettes, elles ne dorment plus, elles ne mangent plus à cause du frigo. J'ai reçu cette vidéo, j'étais bien contente. J'étais vraiment contente pour le couple Amout. J'étais vraiment contente. J'ai dit, waouh, c'est magnifique. Vous savez, j'essaye de... voilà, je prenais ça. Voilà. Voilà. J'ai reçu cette vidéo. Vous voyez bien, c'est le défilé. Voilà, vous voyez bien. C'est le défilé. Et là, les patrons, le couple patron de l'entreprise. D'accord? Marcel? Ça c'est ma Jaguar. Ça me fait toujours penser à ma fille Coco. Ça me fait penser à ma fille Coco Kouetou. Avec Ruth Gisèle. Tu n'as même pas à manger, tu insultes Président Amos.
Le beau des beaux, il danse le bain skin. Le beau des beaux. Est-ce que le poésie est dans la salle? Voilà. Cette vidéo-là, c'est... En tout cas, au début, bonne fête de travail à tous les travailleurs du monde. C'est important. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est la Bible qui le dit. C'est quelque chose de vrai. C'est comme ça. Et vraiment, tu ne peux pas... Il faut que je m'impose. Okay. Comment les autres vidéos en bas? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc, l'entreprise SIA a défilé ce matin, qui est l'œuvre du président Amot, qui est une idée de génie qu'il a eue depuis des années. Je sais que ça date vraiment l'entreprise SIA. Et aujourd'hui, et ils étaient à la soirée c'était le lancement du pagne, je pense. Et cette soirée, c'est une soirée qui s'est passée à Paris. Je vais d'abord dire merci à Paris, surtout la communauté Banganté de Paris. Banganté Fortune. D'où je viens. C'est comme si mon sang fond seulement. Il y a encore une place qui est mieux que là-bas, je ne pense pas. Donc, Banganté de Paris. Ça dit que la noblesse, la dignité, l'élégance, le soft, le vrai. Ils avaient une soirée samedi. Et vous savez, comme cette sapac de Goy, qui aime être partout, surtout derrière le président, qu'il a vomi, mais vomi de chez vomi, c'est pas la blague. Je ne sais pas comment on va réparer ce genre de problème. Peut-être il faut inauguration du pagne de Ndé. Merci au colo. Du pagne Ndé. Merci au colo. Voilà. Donc, cet événement qui n'est pas... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire trop de tohu-bohu parce que Banganté va Banganté fortune. C'est-à-dire que quand tu vois Banganté, tu mets fortune sur ça. Parce que même seulement avec la bouche, même la façon de se tenir, tout ça va pour fortune. Parce que c'est une richesse mentale, morale, spirituelle. Financière, ça vient après. Mais comme je vous dis d'abord, mentale, morale. C'est que les gens naissent nobles et naissent grands dans cette communauté que d'où je viens. Ha! Mon corps de commun. C'est-à-dire que c'est le genre de façon qu'on se sent. Yesh, dans notre truc. Donc, patron de société SIA qui tient la route. On a eu ça, tous ces soubresauts comme toute société, mais c'est toujours là. Nous savons, la compagnie fière de lécher, elle n'a pas fait un an. Hein. Chute libre sans vitesse initiale. Ce n'était même pas fait par Ngoï. C'était pour Maria Satan. Yako, Maria Satan, pour l'investissement. Donc, je reviens. Prési Amot était invité à cet événement depuis une couple de... un mois, deux mois, depuis longtemps, ils étaient annoncés. Comme Ngoï marche dans tout Paris pour chercher à prendre non seulement les gens qui sont derrière Prési, elle essaye de se rapprocher d'eux, ceux qui ont un souci avec Prési ou qui sont proches, ou même que Prési a vu pour voir si elle peut même pas aller négocier, parce qu'elle a tout fait. Elle a essayé chez... comment on l'appelle celui-là oh, j'oublie toujours son nom, hein, le frère... Elle essaie à tous les niveaux. Ça n'a pas marché. D'accord? Là, même le boxeur qu'elle vous présente, que le boxeur, c'est le boxeur qui vient de Lyon, c'est de je ne sais où là. C'est parce que ce monsieur est entré chez Prési, s'assoit dans le salon de Prési avec son épouse. Ils ont eu un moment de qualité. Ngoï a pris ses deux pattes pour aller se mettre là-bas. Elle a donné rendez-vous de direct, ça n'a pas eu lieu. Dans la vie, on dit souvent, ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Je me pose toujours la question de savoir si, à l'inverse, Ngoï Satan était l'épouse de quelqu'un et que... elle était épouse à son mari et qu'ils avaient une amie, pardon, du couple, et que cette amie venait chez eux et cherchait vraiment à détruire le couple de Ngoï, comme ça, je ne sais pas comment elle aurait agi. Parce que Ngoï a tout fait pour piéger Prési et avoir un rapport avec, pour pouvoir utiliser sa contribution. Parce que c'est une fille qui marche partout et qui cherchait les balles. Comme un boom, qui a les voices et qu'on ne voit jamais. Mais il faut qu'elle ait les balles. Qu'elle n'en a pas même quand même dit que j'ai les balles. D'accord? Donc, du coup... comment je peux expliquer? Du coup, cette histoire de soirée que vous entendez là, les dessous de cette soirée, c'est quoi? C'est que Ngoï s'est organisé à se mettre aussi, annoncé dans cette soirée. Comme elle m'avait poursuivi à Paris, dans la soirée d'une certaine Christelle, machin chouette là, que je suis allée, et elle a choisi 48 heures avant qu'on la mette sur le fleuve. On ne la calculait pas depuis deux mois qu'on parlait de l'événement. Mais 48 heures avant, le promoteur, des fois, va avoir besoin d'argent et dit que je vais la prendre. Ça va me faire peut-être une table de plus ou je ne sais pas trop bien quoi. Et elle est venue à la soirée, elle avait des couteaux, des armes blanches pour vouloir m'agresser. Ça, vous vous souvenez? C'est passé aussi comme une lettre à la poste. C'est qu'il y a certains gens quand leur chose passer incognito. Mais je vais m'arrêter sur le cas du président parce que c'est important que le monde entier sache que Paris commence à comprendre et Paris a compris et Paris répond. Et je suis très fière pour cet évincement qu'on lui a fait. On lui a dit, c'était un choix.
Parce que Prézi ne discute avec personne. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est un communiqué que je vous lance. Quand vous invitez Prézi à l'annonce, à l'affiche, ne vous battez plus à prendre encore l'annonce à l'affiche Ngoyi Satan. C'est comme ça et c'est pas autrement, jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas si vous comprenez. Communiquez. Communiquez. Prézi Amot, le mari de ma petite, surtout Jaguar Amot, a dit, je cite, si vous l'invitez à un événement, vous ne prenez plus Ngoyi Satan encore à l'affiche. Elle peut venir, qu'elle se promène au quartier, elle a su qu'il y a un événement, elle a atterri comme un oiseau céleste par concours de circonstances. C'est correct. Ça, là, c'est correct. Mais si vous l'annoncez flyer, couple à mode, même s'ils ne sont pas parrains, invité élite, invité de marque ou invité spécial, whatever, dès qu'ils sortent, il y a sur un flyer, ne faites plus un autre flyer avec Ngoyi. Si vous voulez qu'un Ngoyi vienne, peut-être par derrière, vous causez un Ngoyi, tu dis que tu sais qu'on ne peut pas t'annoncer. Peut-être, viens, c'est bon, le jour-là, tu entres aussi. Peut-être. Parce qu'elle cherche le plaisir à monter avec la torche à la main. Le jour qu'elle va te faire, c'est sûr qu'elle va me se coucher par terre pour demander pardon. Mais il n'y aura pas de pardon qui tient. Parce que le pardon va passer par le respect de Jaguar. Parce qu'une femme terriblement mariée, comme moi, ne peut que faire en sorte qu'on respecte la valeur d'une femme au foyer. Parce qu'être au foyer, là, il y a le walk. Je vous dis toujours ça. Parce que c'est contre le demeurer, travaille pour le demeurer. C'est pas seulement terriblement marié. Il y a le walk. Matin, midi, soir. Oui, tu peux même vouloir dormir, tu rentres du travail, tu peux même chauffer, même seulement. Tu peux faire le toast, tu mets le Nutella, tu dors. Mais parce que tu es marié, tu peux te trouver à la cuisine. Parce que tu sais un plat, ton mari ne veut pas, il faut que tu fasses un autre plat. Tout ça, c'est le travail. Parfois, tu veux bien dormir, même tu dors même à minuit, boum, un pied commence à te cogner. Tu dis, ouais, Seigneur, tu es fatigué, tu dis que je vais dormir comme ça, one shot. Mais on te réveille la nuit. Tout ça, c'est le walk. Même si que tu as le bon, le manque du réveillement, là, c'est tout le work. D'accord? Donc, Jaguar épouse Amot, maman de plusieurs enfants. Et peut-être même l'autre encore qui va venir. D'accord? Vous devez la respecter. N'importe quelle femme. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande dame. Donc, c'est Jaguar Amot qui fait son homme. D'accord? Donc, même si il est, ça dit, dans son métier, il est ceci, il a, vous dites que voleur, tout ça, tout ce que vous voulez. Même si c'est ça, si c'est son choix, il connaît les conséquences de son choix et il vit par rapport à ça, ça ne nous regarde plus à partir de ce moment-là. C'est s'il ne connaissait pas comme un enfant de 10 ans, de 3 ans, est-ce que tu sais que la route là que tu prends, ça fait si. Donc, arrêtons un peu, c'est bon. Ça dit qu'un quelqu'un a dit qu'un pour lui, non, c'est que Bomae. Oui, pour lui, ça doit seulement sortir que Bomae. Si ce n'est pas Bomae, il ne fait pas. Donc, hein, c'est sa part de volant. Le jour qu'il va tomber, non, il tombe, quand il sort, il ressort. Comme notre, mon fils Achille, parce que Achille Dicolo, c'est mon fils. Oui, c'est mon fils dans Facebook, c'est mon fils. Parce que Maman Adjoka, c'est ma grande soeur d'amour. Je lui parle, je lui ai même parlé l'autre jour. Je parle à Maman Adjoka tout le temps. Elle devait même venir me voir au Canada. C'est avant même que j'invite la Sapa de Ngoyi pour mon premier événement. Donc, Maman Adjoka, c'est ma grande soeur, ma merveilleuse grande soeur. Achi, c'est le fils de Maman Adjoka, donc aussi sa tante. D'accord? Et comme je vous dis, c'est-à-dire que cet enfant a choisi ce qu'il veut faire. Quand il pognouf, il pognouf. Quand il ressort, il recommence ses affaires. C'est son choix. Il y a les gens. Dans la Bible, il y a les mots. Il y a tous les mots possibles. Donc, si quelqu'un choisit une carrière d'un mot de la Bible, c'est son choix. Donc, collez-lui la paix. Mais communiquez tout Paris, tous les événements dans le monde, même en Espagne, même en Angleterre, même au Canada, même aux États-Unis. Si président Amot est annoncé, il se déplace toujours avec son épouse, s'il vous plaît, pour votre événement, virgule. Ne prenez plus la sapart de Ngoyi pour ajouter. Parce que les bangantés, vraiment, merci. Parce que vous avez raboué les bêtises avec les règles de l'art. C'est très important. Parce que dans la vie, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on sache maintenant comment on avance et qu'on sache qu'on est des vieilles personnes. C'est parce que les gens ont coupé 10 ans sur leur âge, ils ont 41 ans, qui pensent qu'ils sont petits de 41 ans. C'est des vieilles chouettes, des vieilles mères. Et 41 ans, c'est déjà mature. Je vous ai dit que je m'arrête à 32, 35, maximum. C'est eux que je peux encore considérer comme la jeunesse. 32. Mais après, là, on est dans le même panier. D'accord? Donc, communiqué. Le président Amot a dit, virgule, si on l'annonce dans un événement, virgule, les promoteurs ou les différents organes, même si c'est l'anniversaire, même si c'est le baptême ou le mariage, n'ont plus besoin d'inviter Ngoyi Satan. Point final. Quelqu'un peut écrire, comme j'ai dit là. Parce que Bobby joue une encore que quand Mme Choubine a calé tout Choubine pour de bon. Parce qu'on l'a évincé de la soirée jusqu'à elle est venue faire le poste voulant enlever les polémiques. Mais c'est mort dans le. C'est fini. Game is over. J'ai dit que je dis bravo André Paris.
Je dis félicitations et merci André Paris. J'ai vu André Paris nous soutenir au salon Auch via mon frère Charlie Jones qui s'en vient même au Canada bientôt là pour un événement. Oui, Charlie Jones sera annoncé au Canada pour un événement. Je suis bien contente. D'accord? J'ai vu comment André Paris ne rigole pas. André Paris a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils savent te positionner. Dans les jeux, les messes basses, les mi'kmaq, là, c'est fini. Game is over. Dans le communiqué, je voulais donner le communiqué du président et de dire que quelqu'un qui n'a pas à manger, quelqu'un qui n'a même pas de métier, se permet d'insulter président Amout. Tu comptes sur quoi? Tu n'as pas à manger, tu es affamé. Tu as les vieilles chaises que tu ramasses en route, que c'est les Arabes qui tiennent sur ça. Les Ngassapis sur ça. Tu viens insulter, tu n'as pas à manger, tu n'as même pas de toit. Tu ne même pas. Tu prends, tu filmes les chantiers des gens, tu mets sur Facebook, soit disant que tu croques le ciment. C'est quel genre de ciment, maman? J'ai dit qu'un dé Paris. Merci Paris. C'est la libératrice de Paris qui parle. Maintenant, elle a libéré Paris. Oui, j'ai libéré les gens de Facebook de Ngoy. Aujourd'hui, je dis quelqu'un qui veut parler, oui, tu t'assois, tu parles, ça t'aide pas, tu m'appelles, je t'aide. Faut arrêter. On ne peut pas être une communauté. On a des projets à court, à long terme. On est, je ne sais pas, allumé. Et on a quelqu'un qui a sali la route et on se tait. Par rapport à quoi? On a peur de vous. Vous allez nous faire quoi? J'ai dit que vous allez nous faire quoi? Charlie Jones, c'est un dieu de la scène. D'abord frais. Mourin Seigneur, obéir. Obéir est d'abord frais. D'abord frais. Et il est vendeur. Et Charlie John te fait vendre les billets. Charlie John te fait venir le monde. Et Charlie John connaît lever la foule. Quand il entre dans la salle, c'est-à-dire qu'il est un dieu. C'est-à-dire qu'il est un dieu de scène. Tu te lèves seulement. Il a une façon là avec le Ben Sikin. Et il est chaud. C'est vestiment sur mesure. Parler de quoi? La chute est effective. Donc Paris, merci. C'est ça, ça a commencé par le Ndé. Ndé Paris, je te remercie parce que tu as compris. Tu as su joindre l'utile à l'agréable. On ne peut pas froisser les gens comme ça. Moi, je suis arrivé à Paris à un événement. On l'a fait rentrer. On a créé un flyer 48 heures à l'avance. Elle arrivait avec des armes blanches. Elle devait percer les roues de la voiture de mon petit frère, Roger Lavie et tout ça. Elle nous cherchait partout. C'est bon, là. C'est bon. On n'a qu'à se respecter. Chacun fait ses choix. Chacun fait son lit. Et chacun se couche. Chacun assume ses choix et ses positions. C'est comme ça. Claude Akam, envoie le message à ta patronne. Vous allez faire vos soirées des mouches parce que j'ai vu une annonce qu'elle-même organise la soirée. Bravo, Ngoï Satan. Tu vas te convertir en promettrice. Toi-même, tu vas organiser. Tu vas te mettre au four au moulin. Tu vas chercher le Coca-Cola à minuit comme Joséphine Djomoué. Que quand on la cherche à la soirée à minuit, elle n'est pas allée partir chercher au Coca-Cola. Comme si elle ne savait pas avant 2 semaines qu'il fallait acheter le store de Coca pour déjà placer et amener à la salle le matin où je ne sais pas trop bien quoi. C'est pas facile. Donc, ma chérie, tu vas que organiser. Tu entends, non? Ngoï Satan, tu vas que organiser l'événement. Et on va s'asseoir aussi. On va aussi regarder. Voilà. C'est bon. C'est bon, ma chérie. Attendez, j'arrange l'épaule. Parce que l'épaule, c'est l'épaule sans jam sans rien, s'il vous plaît. L'épaule. Remède, bonjour. Bonjour, ma chérie. Je suis en train de préparer. Parce que tu viens de dire, hein, tout, c'est pas sa soirée. Hein. Ce n'est pas hein? Sa soirée. Ah bon? C'est la soirée. Non, c'est la soirée. Des gens qui ont le refuge. Ce n'est pas la soirée de Mamie Mboma. Donc, on ne vous mente pas. Ce n'est pas sa soirée. Elle est juste devant. C'est tout. Maman du refuge, je la connais, la maman du refuge. Nous courons qu'on nous foutu une soirée. Il fallait seulement laisser elle entrer aussi comme tout le monde. C'est pas sa soirée. C'est de Céline. Ah, ma Céline. Les mouches sont finies, hein? Il n'y a plus de mouches. Quand la caméra arrive, moi, Fleur de Lis, j'organise. J'ai vu en titre son nom. C'était organisation. Oui. Hey. Non, c'est pas sa soirée. C'est pas sa soirée. Elle est juste devant. Hey. Merci, Tatana. J'allais dire que comment elle va louer la salle, payer, elle va même prendre l'argent où, Tatana? Parce que l'événement, c'est dur, hein, Tatana. C'est pourquoi elle te dit que c'est pas pour elle. Merci. J'ai les news. Je suis de Paris, non? Oui. Et tu es une ancienne Parigo et bien implantée. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas sa soirée. Voilà.
Merci, Tatana. Tu vois alors? Que soit-on. Moi, j'organise ce soir. Pardon, ma manque de refuge. Yeah, vous couvez. Ou que tu sois l'un de vous maintenant, vous grand. Toi seul, tu vends déjà ta soirée, ma chérie. Toi seul, tu vends déjà ta soirée. Bonjour, mon fils Tafo. Toi seul, tu vends déjà ta soirée. Donc, ouais, mais bien, je reviens et fais le bruit. Oui, fais le... Comme je fais le plateau, après. Oui, fais le bruit, maman. Je te dis. Donc, c'est ça. Merci pour les étoiles, mon frère Jacques. Tu comprends? Ce n'est même pas sa soirée. Tu te lèves, tu décides que tu organises une soirée. C'est facile d'organiser une soirée. Vous blaguez même avec des soirées là ou quoi? Vous vous moquez même de la gueule du monde. Vous avez tellement insulté ici. Organise encore, c'est facile. Aller et retour comme ça. Maman refuge ma série. Ou ce événement, il n'y a pas boumant contre tout. À bande de you soirée. À sa soirée, la carte dans le tendo. Nous laissons quand même. Je parle comme ça là. Que ce n'est pas que je suis en train de dire que je ne mens pas. Esprit Zani accompagné maintenant. Si elle ne se fait pas, si elle ne se fait pas exorciser par 555 diacres avec 700 prêtres et exorcistes, même 70, marche un tout on est à nous. Une poisseuse d'outouman, le Jacques à la puissance N. Donc, ou le soirée, deux boumans contre ma ça. Ma soirée, là, ça. Merci, Odé. Me refais un conseil ou maman Céline, oh, ce que je t'aime bien, non, tu es la belle femme en look cheveux court. J'adore ton truc. D'accord? Bon, merci Tata Na de nous éclaircir. Ce n'est pas facile. Donc, vous avez compris le communiqué. Je suis le porte-parole du président Hamon. Le président, il a parlé. Vous l'invitez. Vous n'invitez plus Ngoï. Mieux elle entre par la petite porte. Comme si quelqu'un dort le soir, on dit qu'il y a quelque chose là-bas, elle se retrouve, comme on se promène, comme le mauvais esprit. Elle n'est annoncée nulle part. C'est clair et net. Le président, il a parlé. C'est tout. Maintenant, vous avez vu, elle se promène. Je vous ai dit que le boxeur qu'elle essaye de prendre là, c'est une personne de plaisir à monte. Oui, oui, il est entré chez Président Monde, son épouse. Ils ont amené les pagnes, ils ont fait ci. Ils ont une fraternité très, très proche. Mais il faut qu'elle le rapproche. Elle cherche à approcher la personne qui pourra parler au président. Mais elle a oublié une chose. Au moment de la tontine gate, du sifflet de la tontine, il y a eu des gens qui l'ont appelé pour essayer d'arranger, pour ne pas gâter le truc. Pour ne pas envenimer, ça je me souviens comme si c'était hier. Lady Ponce, notre diva, la baronne de Suisse était parmi. Le président lui-même l'a appelé. Quand elle a commencé à gaffer, elle a pleuré. Il faut allô, elle a commencé à pleurer. Mais ça n'a pas empêché le soir qu'elle remonte encore à la charge pour gaffer. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est une reine mère de Salam. Salam, Alam Abiala. Il fallait que, comme le litchi est déjà lancé, qu'elle prélève d'abord tous les litiges qui vont être faits avant de se retourner maintenant et venir prendre ce que Lady ou ma chère ou Prézé a préparé pour donner. Là, elle aura mangé dans tous les tableaux. La famine est extrême. La famine a débordé. C'est extrême. C'est fait d'une famine cacophonique. C'est grave. Je dis que c'est grave. C'est très, très grave. Il y a eu, c'est-à-dire que ce moment-là, c'était un moment que Prézé fut lynché. Son épouse, alors, c'est avec ça que le président a compris que cette fille, elle voulait finir avec le président et le tenir avec quelque chose. Elle n'entrait pas chez eux comme une amie qui vient vous visiter. Faites attention aux cancans amis qui vous visitent beaucoup et qui vous amènent parfois en tant qu'homme à parler à votre femme d'un genre jusqu'à votre femme est déjà mal. Mais elle continue. Ça veut dire que sa feuille de route n'est plus la bonne feuille de route. On a eu le message ici par Jaguar. Jaguar a pleuré. C'est une situation de quoi la réunion a fait que elle a tout mis ça. J'ai pu dire, oui, tu vois, non, oui. C'est un truc qu'elle fait souvent là. Donc, je tenais à passer ce communiqué et dire que je remercie Ndé Paris qui n'a pas reculé, qui n'a pas cherché à dire que non, comme elle vient là, peut-être quelques abeilles qui vont payer. Les abeilles ne payent rien. Je me souviens à son la première année qu'on a fait le bateau. Mon petit frère, Charlie Jaguar, c'est mon petit frère. Ouh, c'est ma famille. Oh, oui, Charlie Jaguar, c'est mon petit frère. Oh oui, on a eu une rencontre familiale à la fin de ce mois. Je serai avec lui. Pian. Vous avez fait quoi? J'ai dit que mon petit frère Charlie Jaguar, d'accord? Il l'a dit à ton nom, parce que tu es dans cette team, parce que tu sais que c'est toi que je suis. Il est venu au bateau, il a farotté la fille des euros propres. Et il a dit, comme c'est son anniversaire, on vient au Blue Note. Le Blue Note, c'est la boîte de nuit Saint-Denis. On va verser des champagnes. Charlie a offert 10 bouteilles de champagne à la SAPAC. On a fait le flyers, on a annoncé. Elle est venue avec personne. Elle a pris une petite bande de Jelly Lele qui l'a suivie. C'était peut-être 12. Elle n'a rien acheté. Quand elle est arrivée, on a sorti les champagnes. Elle a créé deux tables. Il y avait une table avec le boxeur et les autres. Et une table où moi j'étais avec les autres.
Elle a envoyé que 4 champagnes ou 5 ici. Donc, elle a un peu divisé les champagnes aux deux tables. Maintenant, le gâteau, parce que son gâteau à son bateau n'a pas été coupé. Au moment de couper le gâteau, elle voulait maintenant le champagne. Elle envoie appeler Charlie pour demander combien coûte le champagne, maman. Même une bouteille pour couper le gâteau, elle n'a pas acheté. On a coupé le gâteau, mangé à sec. Prends alors un tranche de gâteau, tu peux me donner à Charlie, ça a dépassé moi. Je vous dis que cette fille, elle est tellement méprise. C'est-à-dire qu'elle est tellement à mépriser. Elle est tellement minime. Elle est moins que rien. Quand je parle, vous pensez que c'est de la haine. C'est de la vérité, la pure vérité. Ça a pris 4 ans et demi pour que vous compreniez. J'ai dit, ça a pris 4 ans pour que vous compreniez. Oui, oui, ça a pris du temps. Comme quoi, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Au jour d'aujourd'hui, elle est à terre comme le cafard, renversée sur le dos. Même le dos, elle ne bouge plus. Ma foi, Yomeni, je te salue, ma foi. Je te salue là, ma foi. D'accord? Donc, dans la vie, ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Satan éternel, le terrain qu'elle nous montre là, c'est le terrain que Satan éternel a acheté sous ce sur. Dis pas ma fille Coco Kwetou. Dis-moi Coco Kwetou ici, s'il vous plaît. Coco, tu es où? Ok. J'ai parlé avec Coco avant d'aller en direct, non? Bipez-moi ma fille Coco Kwetou ici, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Bipez-moi ma fille Coco Kwetou avant qu'on vienne au voleur. Bipez-moi ma fille Coco Kwetou. C'est les enfants qui reviennent de l'école. Pour moi, ça a pris un jour pour connaître quelqu'un. Tu vois, un jour, mais les autres, ça a pris 4 ans. Ça a pris 4 ans pour que tout tombe définitivement. 4 ans. Il y en a que c'est maintenant qui dit Je suis maintenant. Oui, Coco avait Nounou. Je salue l'arrivée de Nounou. Je les ai parlé tout à l'heure. On a eu vraiment une conversation très longue. Vous savez, la maman doit causer avec ses filles. Voilà. Son fils et sa fille. Donc, on m'a dit que ses fils et filles. J'ai dit, ma fille veut seulement dire mes filles. Hein, parce que ce que vous faites là-bas dedans, je ne suis pas dedans. Donc, moi, il reste sur ma fille. Donc, on dit, maman, ma mère, c'est ton fils. C'est ta jeune. Coco, pardon. J'ai dit que ma fille, pardon. Il faut pardonner. Moi, là, laissez d'abord, je digère la partie ici. Vous voyez, non. Non, ils sont heureux. Elles sont heureuses. C'est bien. L'amour est bien. Donc, voilà. Ça, c'était le premier truc, vraiment le président. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai vu beaucoup de messages. Maman, des filles. J'ai vu beaucoup de messages, mais je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je ne sais pas. Donc, voilà. Et j'ai demandé qu'on me dise Virus Lydia, parce qu'on va passer à Virus Lydia, si vous avez déjà fini avec vos questions. Les partages, merci pour les partages. Merci beaucoup. Waouh, merci. On est déjà à combien de partages là? Merci. Sortez ceux qui viennent d'arriver, partagez la vidéo et revenez. C'est pas le clash, hein? C'est dans l'heure juste et la vérité. Moi, je suis comme ça. Je ne parle pas. Je bave pas pour baver. Maintenant, c'est le tour de ma fille Virus Lydia. Voilà. C'est ça. 138 partages, c'est pas assez. On doit continuer à partager. Il faut qu'on atteigne même 300 partages. On peut perdre 466 personnes et on a que 138 partages. Ça marche pas. Il faut que vous partagez. Apprenez à partager ce qui est juste et vrai. Oui, c'est juste et vrai. Pas une injure. Je sais que les mouches sont mal. Les mouches veulent qu'on peigne ce qui est. On dit, ça dit, on prend quelque chose qui est sale, on dit que c'est propre. Non. Ils veulent que quelque chose qui est noir, on vient dire que c'est blanc. Non. Supportez quand on dit la vérité. C'est la vérité, la pure vérité. Je n'ai jamais gaimé. Je n'ai jamais menti quand je parle de Flor Magina Kinkam. Je prononce son nom. Elle veut, elle m'amène où elle veut. On va aller parler là-bas. Quand on va voir, dire, madame, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir l'explication de ce qui est. Ça dit, les raisons de pourquoi, du comment. C'est mon choix, c'est comme ça. J'ai eu ma soeur Lydia Miller qui a fait un direct hier, qui a expliqué un peu, oui, il est bien vrai, la reine m'a fait bio fait, il est bien vrai, c'est exagéré, mais quand même, exagéré n'existe pas chez moi. Parce que quand je commence, quand tu m'as vraiment mise dos au mur, je n'arrête plus. On va seulement faire. On va seulement courir. Je n'arrête pas. Et celui qui se sent que c'est trop, il quitte seulement. Parce que exagéré n'est même pas un verbe que. C'est même pas un verbe que je vais utiliser, exagéré. Parce que tu n'as pas l'unité de mesure pour savoir que j'exagère ou pas. Tu ne peux pas savoir jusqu'où. L'action posée et la feuille de route qu'ils ont mis ont voulu m'anéantir. Jusqu'où j'ai été ou jusqu'où j'ai saisi le bout de la feuille de route qu'ils voulaient faire. Jusqu'où je suis en train de le digérer ou le diluer dans mon sang. Tu ne peux pas le savoir. Tu n'as pas accès à ça. Donc, ne t'exprime pas. C'est trop. C'est ton problème. La guerre de... Si Sylvie est là, ça a duré combien d'années? 100 ans. Il y a une guerre qui a duré 100 ans. C'est quoi? Pourquoi pour moi, je suis en train de parler égoïstement, égoïste pute. Elles ont fait combien d'années? 7 ou 8 ans, non? 7 ans, je ne sais plus. C'était long, non? Alors pourquoi moi j'ai 3 ans et demi? Je ne sais même pas. Je n'ai pas encore atteint 4 ans, non? Vous me prenez quoi? Donc laissez-moi. Je n'ai pas fini. D'accord? Je n'ai pas fini.
Ken Kam, c'est moi, Tafo, j'ai ton macabre. Comment ça va, mon fils Tafo? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, mon fils. La petite Loulou vient de l'école. Ça fait longtemps. Vous qui dites que ce n'est pas ma maison, voilà ma fille qui revient de l'école. Elle a la clé dérange ou quoi? Elle a sa clé, non? Elle a sa clé. Ah. Allô, beauté, je suis en direct. Ça va, beauté? Du courrier, apporte beauté. J'ai même pas regardé la boîte, j'ai oublié. Bon, on a le courrier, on a loué la maison parce qu'on a dit que c'était pas ma maison, j'ai loué. Donc j'ai dit au type de me laisser un mois, mais j'ai le courrier. Le courrier va venir à mon nom quand même. Je peux vous montrer le courrier. Souvent même ma fille rit. Quand elle m'entend, dit, mais maman, de quoi tu parles? Je dis, laisse-moi. C'est horrible. Il y a des tatas bizarres qui sont dans la planète. Hein? Des tatas bizarres. On voit un peu ma fille. Oh là là, elle n'aime pas ça. Oh maman, j'ai oublié de te dire que l'écran était vers là-bas. Il y a mon nom sur ça. Oh non, mon nom est dessus. Ouais, Nathalie, on a écrit mon nom sur le courrier. C'est ça, le type là va laisser un peu recevoir mes courriers ici dans sa maison. Chimbrou. C'est pas sa maison, c'est pas sa cuisine, c'est pas son saisie. N'importe nawat. Il m'a laissé recevoir les courriers dans sa maison. Ah oui, c'est ça que j'attendais. Ouais. Pour activer. La carte. Bon, ça c'était juste. Ah, la carte est là. Lui, c'est une carte, hein, Visa. Lui, c'est une carte. D'accord? Je suis bon. Brou. Si elle montre, ils vont venir copier, regardez. C'est une carte. Voilà. C'est une carte. Ouais, non. J'ai la mère, elle est là. Elle est venue. C'est une carte. Ouais, non. C'est une carte. Et mon nom qui est sur celle. Nathalie. Vous avez dit que c'est le nom de qui? Elle a volé. C'est pas pour elle. Elle est comme si. Faites aussi appliquer pour voir, on vous donne aussi, on voit. Le pays où coule le lait et le miel, le Canada. Je vous ai dit, vous voulez immigrer au Canada, là. Il y a des autorités compétentes qui s'occupent de ça. On a des consultants en immigration de choix. On a des avocats en immigration comme ça. Sûrs, cœur à cœur leur travail. Oui, ils sont là. Tu veux? Ah, on te refait seulement. Ils sont bons. Bons dans leur domaine. Font voix. C'est ça. Le Canada, pays où coule le lait et le miel. C'est tout. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffera jamais. Vous avez compris, non? Vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi? Elle est machin. Voilà mon nom sur la carte. Vous avez dit que c'est le nom de qui? La carte est là-haut. Mon NIP. Il y a le NIP. Visite, machin. Je vais l'activer. Ma carte est là. Pian. Pian de chez Pian. D'accord? Donc maintenant, là, je vais parler à ma fille Virus Lydia. Virus Lydia, je vais te parler. Hein. Je vais te parler, vraiment. Moi, là, je suis le genre de personne, vous voyez, je prends mon temps quand il y a une situation. Je vais aussi avec le Saint-Esprit parce que on dirait qu'il y a des voix qui me parlent quand le problème arrive. Vous comprenez? Quand le problème arrive, il y a des voix qui me parlent. Et en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que compatriote et en tant que... Voilà, c'est ça. Oncle, tante, tout ce que tu veux, en tant qu'aîné. Je prends le problème souvent au premier degré, tout de suite, quand il arrive, dépendamment de la situation. Et nous tous, nous avons vu le combat de Virus ici sur Facebook. Et son combat était vraiment... je ne sais pas si je peux appeler ça noble ou pas, mais c'était quand même très sens, très émotif. Ça, c'était même... Ça glaçait le dos, en fait. Ça glaçait le dos parce que... un peu. Ça glaçait le dos, quoi. C'est ça. Ça glaçait le dos, en fait. Vous voyez un peu. Ça me... Quand j'ai suivi... En tout cas, j'ai eu la grâce d'être parmi les premières personnes qui ont causé avec... je vais encore dire... J'ai dit ma fille Virus. Hein, maintenant, si elle se lève sur moi, je sais pas. Parce que vous savez que Facebook, ça change très, très vite. Donc, moi, je sais pas. Donc, j'ai été parmi les premières personnes qui ont causé avec ma fille Virus sur son problème. Et croyez-moi, si on me posait la question de savoir est-ce que tu veux qu'elle aille faire le clash sur le père de ses enfants, j'aurais dit non. J'aurais dit non, pas parce que ce que le père de ses enfants a fait est bien, mais parce que les autorités compétentes s'étaient déjà saisies du dossier et il y avait déjà une feuille de route. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose qui se faisait par rapport à la France, par rapport... Donc, quand elle nous avait expliqué, on était en conférence à trois au téléphone. Et franchement...
j'étais très mal et j'étais impuissante aussi parce que vous savez, quand l'abondance du cœur que la bouche parle et quand c'est monté dans le cœur beaucoup, la personne veut s'exprimer, on ne peut pas l'empêcher de s'exprimer. Et Virus, c'était vraiment ce qui s'est passé. Virus voulait vraiment parler et c'est comme si elle ne faisait pas le direct, elle n'allait pas se sentir bien. Et à un moment donné, nous sommes qui pour la juger? Moi-même, quand je suis sur Ngoï tout le temps, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais personne ne me juge, je fais ce que je veux parce que je suis à l'aise avec. Mon chéri me dit juste, tu es à l'aise, chéri? J'ai dit oui, il dit ok. Ça ne le dérange pas parce que Facebook, ça change quoi dans notre foyer, vous comprenez? Donc, c'était un peu ça. Et alors, j'ai suivi vraiment, on avait échangé avec elle presque 4h30 de temps. Je n'étais pas seule, Dieu merci. On était au moins 3 personnes à lui parler. C'était moi, Patricia Mel et le biais et So, Marco. Et c'est moi-même qui avais ajouté le biais parce que quand je l'avais appelé Virus, elle était, je crois, en ligne, ça s'est raccroché. Après, je crois que Patricia Mel a pu la voir et elle, Patricia Mel m'a ajouté. Et quand Patricia Mel m'a ajouté, moi j'ai ajouté ma cour, le bien. Virus m'a dit c'est qui? J'ai dit c'est le bien. C'est moi-même qui a. Parce que j'étais comme, je voulais seulement qu'on aille calmer, puisqu'il y avait une lettre qu'elle avait déjà, un post qu'elle avait déjà mis, qu'elle disait qu'elle venait sur le père de son enfant, elle devait tout verser. Donc je voulais qu'elle arrête ça, parce que vous savez, quand les gens vous combattent, si vous avez une situation comme ça, vous venez encore mettre sur les réseaux, c'est comme si vous leur donnez, n'est-ce pas, la nourriture pour qu'ils vous combattent. Mais elle semblait être très prête, elle disait qu'elle s'en fout de ce que le camp d'en face. Parce que moi j'évitais, parce qu'en ce moment, elle était en froid avec Moussa, et c'était vraiment grave. On a avancé tranquillement dans le truc et puis ça n'a pas fait. Elle a enlevé quand même le poste sous nos yeux. J'ai apprécié qu'elle nous ait quand même respecté pour ce bout-là. Et après, quelques jours après, c'est normal, hein, ça a encore réveillé, je ne sais pas par quel moment, peut-être le monsieur, blablabla. Et puis elle a ouvert le direct. Hein. Moi, ça m'a appelé qu'elle est déjà en direct. Et ce qu'elle disait, c'est ce qu'elle nous avait aussi dit. Et c'était très, très. Ça faisait froid au dos. Il y avait aussi ces choses qu'elle a fait dans sa vie, comment que le trafic de drogue avalait la drogue, fait ceci, trop d'histoires. En fait, c'était comme, elle a trop versé la bouteille d'espoir et ceci. Trop de choses au point où, c'est vrai, hein, quand c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand on est choqué, on verse tout. Mais elle a tellement versé que je me suis dit, bon Dieu, l'homme là, est-ce qu'on pourra même encore le regarder dans la face? Tu vois un peu le genre, c'était quand même trop, quoi. Même si c'est vrai, même si c'est... Peut-être l'homme aussi, quand tu vas parler à l'homme, parce que dans une situation conflictuelle des couples, il y a toujours deux versions. Quand tu vas aller parler à l'homme, il va te dire que non, c'est pas ça, elle a menti, c'est une menteuse, voici ce qui s'est passé. Donc c'est toujours deux versions. C'est pas pour rien que les juges et les avocats, en tout cas la justice, demandent toujours une année de séparation de corps pour voir si les deux personnes vont pas trouver un moyen de s'arranger et recommencer leur relation. Et des fois, ils viennent dire au juge, ça y est, on a réglé le problème. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important ce que je vais dire. Donc, du coup, c'est comme ça que Virus est parti en clash. Du moins, elle a versé le père. Elle n'est pas partie en clash, elle a versé le père de ses enfants. Moi, pourquoi je voulais éviter, c'est parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même le père de ses enfants. Et que, qu'on le veuille ou non, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est le père de ses enfants. Donc, je veux dire, les enfants vont vivre avec ça. Parce que les réseaux, tout ce qu'on dépose là, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans. Moi, j'ai la grâce que mes filles, je leur ai parlé, la plus petite, la plus grande, elles savent qu'il y a des tatas un peu s'évélées que j'ai croisées sur Facebook, entre autres, une qui est venue chez nous, qu'elles connaissent bien. Et voilà. Donc, elles savent que les tatas ont tourné au vinaigre. C'est les tatas qui passe de but en blanc sans motif fondé et qui décide de détruire, de saccager tout sans motif fondé. Bon, mes filles, je leur ai parlé de ça. Mon mari, il le sait, ma famille le sait, ma belle famille le sait. J'ai une grâce que je suis rendue là. Mais imaginez un temps soit peu que je n'ai pas pu amener ma famille ou à comprendre tout ça. Vous pouvez voir dans quelle situation j'allais me trouver avec toute cette armée cinglée qui s'est versée sur ma vie avec les Claude Akam. Vous n'avez pas oublié Claude Akam et Anna Ngamba, dame de Fakocher. Voilà. Donc, ceci étant, on a vécu ce versement vraiment délicat et pas très très beau. Et après, bon, le père de l'enfant, moi je l'avais au téléphone, le père de l'enfant était venu dans la ville, le cousin devait dire ceci, elle ne voulait rien savoir, je lui disais fais attention à toi, je ne sais pas, change peut-être les serrures de ta maison, elle avait peur aussi pour sa vie, après il y avait les autorités, il y avait le problème de l'avocat, il fallait voir pour les papiers, elle n'avait pas droit comme ça, après elle a commencé un travail. Moi, tout ce que je disais, ma chérie, arrête ton travail comme il faut. Ton travail, c'est vraiment ton premier mari. Ton travail, c'est ce qui va t'aider à ce que même le gouvernement qui ne veut pas peut-être donner tes papiers vont dire, hey, travaille. Même si tu fais 10 heures semaine, même si tu fais 15 heures, le simple fait que tu travailles, c'est encourageant. Donc, voilà. Et puis après, bon, c'était vraiment un genre. Donc, je vais dire, ça s'est fait un genre de telle enceinte qu'au finish, oui, il y a des gens qui sont venus aider. Après, il y avait le problème d'avocat. Moi, ce qui m'avait impressionné et ce qui m'avait fait prendre un peu de recul
pas comme si je ne soutiens pas, parce qu'une maman, des enfants agressés, ça, je ne tolère pas. Ça, c'est quelque chose que, même quand elle faisait des directs, je partageais. Même quand elle a dit que, oh, la justice, on a accepté qu'on va peut-être les légaliser, whatever, je ne sais plus. J'ai partagé mes félicitations, mais j'ai pris du recul parce que quand on se parlait dans la conférence à trois, elle nous avait fait savoir que le gars, par exemple, elle avait m'expliqué en direct aussi, le gars avait de l'argent, il achetait un lit de tel prix où c'était 20 euros, c'est 50 euros. Il y avait tellement de trucs assez bas et tout, qui n'étaient pas au nôtre. En tout cas, qui ne blanchissait pas son nom ou qui ne laissait pas de le rehausser. Il était vraiment comme quelqu'un qui a fait 80 000 euros, c'est combien de 1000 euros, mais qui a le lit de 50 euros. Il y avait trop d'histoires bizarres. Fait que moi, je me suis dit, l'affaire, si ça tient pas. Moi, je prends souvent le pouls des choses, hein, et je me retranche calmement et tout. Voilà que de fil en aiguille. Et pendant qu'on parlait dans la conférence, justement, elle a dit qu'elle avait de l'argent. Elle avait de l'argent à peu près 12 000 euros, 11 000 euros, mais qu'il y avait un enfant qui était encore gardé. Et cet enfant devait, elle pouvait l'avoir si elle avait une grande maison, parce qu'elle a une petite maison, elles sont dans un foyer ou je sais pas quoi. En tout cas, l'histoire était trop lourde pour moi. Mais je me suis dit, dans mon cœur, si elle a 11 000 euros, 12 000 euros, l'avocat demande 6 000, comment ne pas avancer même seulement déjà 3 000 de l'avocat? Abonnés et des fans leur demander le reste, je sais pas, ou alors prendre un appartement, payer même seulement 6 mois de loyer, 8 mois, et être bien pour prendre déjà le premier, l'autre enfant qui n'est pas encore revenu. Je sais pas, dans ma tête, ça c'est ma tête à moi, parce que moi, ce que je réfléchis, c'est pas ce que les autres réfléchissent, mais c'est dans ma tête. Je me parle comme ça, je reste tranquille, et voilà. Mais sauf que la suite de l'affaire, j'étais plus dedans. C'était du genre, j'ai deux fans qui m'ont appelé, me dit, mais la reine, mais je vois que tu n'es pas dedans, comme tu as pris pour Coco. Je dis, non, excusez. Faut que je reformule encore. Pour Coco, j'ai même fait un direct, je me souviens, j'étais assise toujours dans mon salon ici, et j'ai dit que l'affaire de virus, j'ai essayé d'expliquer, si on descend dans les archives, on va voir comment j'ai pris l'affaire de virus, et les gens essayaient de dire que, mais chez Coco, tu étais plus comme ci, et pourquoi chez virus? J'ai dit, non, je suis pas sur Facebook pour ramasser toutes les affaires. Quand quelqu'un m'amène sur un sujet, moi j'ai aussi ma part d'analyse et mon regard de recul là-dedans. Et dans mon regard de recul, une maman qui a 12 000 ou 11 000 euros dans la maison, et qu'on lui dit qu'il faut qu'elle ait une maison un peu plus grande pour prendre son fils, et qu'elle veut à tout prix avoir son fils, d'après ce qu'elle nous laissait croire, il y a plusieurs choses qu'elle peut faire pour avoir son fils. Si l'avocat demande 6 000 euros et qu'elle a 12 000 euros, il y a aussi quelque chose qu'elle peut faire pour déposer. Elle nous a dit qu'au Cameroun aussi, elle a les biens, les ceci, les cela. Donc, si quelqu'un a 6 même au Cameroun, tu peux dire que appel de balle, on envoie l'argent, tu fais ce que tu as à faire. En tout cas, c'est ce que je me dis. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Franchement, je n'entre pas trop dans les détails de c'est vrai, c'est faux, parce que chacun sa vie, chacun. Si tu choisis de dire aux gens que tu as quelque chose que tu n'as pas, c'est ton problème, oh. C'est toi qui vas vivre comme si tu avais et que tu n'as pas. Moi, je ne sais pas comment expliquer. D'accord? Donc, moi, j'étais un peu en retrait. Et ma femme, là, m'a demandé ça. Mais elle a quand même contribué. Puis elle m'a dit que, mais ma mère, je ne te vois pas trop. Moi-même aussi, je regarde maintenant. Je dis que, ah, maman, fais comme tu penses. Donc, voilà. On a fait ça comme ça. Et je crois qu'elle partie de là avec quelque chose, parce que elle en voulait aux gens, en fait. Elle en voulait aux gens dans le sens que peut-être elle s'attendait à ce que, comme on était entré sur Coco d'une façon, mais c'est deux cas bien différents. Il faut que je vous dise ça sérieusement. Coco, c'était une femme qui était prise qui était sous les emprises de son gourou Flore, et Flore, j'avais son macabre. Donc vous voyez déjà que c'était même d'abord des bonnes guerres que j'achète d'abord en partant aveuglement. Avant même que, même si Coco avait tort devant, j'allais d'abord dire que, donc, juste pour nuire à Ngoyi, parce que Ngoyi n'est pas venu m'aider. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai les gelées dans mon inbox qui m'écrivent que, est-ce que j'ai un gros pénis? Pourtant, je ne suis pas un homme. Donc, elle a mis le prénom de mon mari, Christian. Elle a mis ma photo, mon numéro de téléphone, et on m'écrit tout le temps. On m'écrit, on m'appelle en vidéo en me montrant les choses bizarres. Je n'ai jamais entré dans ce genre de choses. Dans ma vie, j'ai une vie simple, normale, comme tout le monde. Mais regardez, le simple fait que j'ai choisi d'inviter une prostituée méchante, parce qu'il y a des prostituées gentilles, et elle a décidé de détruire ma vie, parce qu'elle détruit tout sur son passage. Si elle s'était arrêtée à moi, j'aurais dit, ok. Mais elle a pris plaisir à moi, qui était comme son papa, et qui n'a, c'est-à-dire que, qui n'a rien fait. Elle a saccagé encore pour eux-mêmes, pire encore que moi. Donc, par rapport, je me dis, ah. Donc, ça fait que si quelque chose tombe, que c'est sur elle. Non, si vous me voyez, la soirée, c'est manqué. Oh non, laissez la main là, elle est seulement en train de Yamo. Pas moi, Yamo. Je vous dis, c'est Yamo. Donc, Coco, c'était d'abord ça à la base. Mais ce qui m'a fait que je... C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas comparer les choses. Ce qui m'a fait que je prenne le cas de Coco comme le cas d'une fille que je peux mettre au monde. Premièrement, c'est son âge. Deuxièmement, sa tante, la patronne, qui m'a appelé avant pour me parler et a décidé après qu'elle me mettait en conférence. J'avais même refusé la conférence parce que j'ai dit que, maman, les choses qu'on enregistre, les gens, j'ai pas peur quand je parle en inbox. Ça, je vous dis déjà. Même Claude Akam, tu peux m'appeler. Ce qu'elle te dit, c'est ce que je pense et je peux répéter. Je ne suis pas le genre que je dis, ne dis pas que je t'ai dit. Oh, ce que j'ai dit, j'approuve, je pense et c'est ce qui est. Parce qu'à l'âge de 51 ans, on fait les choses, on avance. On n'est plus en train de faire. On met tout au propre parce qu'il n'y a même plus de brouillon. Tu peux dormir, tu ne te lèves même pas. Que AVC, que tu ne sais même pas où ça vient. D'accord? Donc, moi, je dis. Quand Coco, quand la patronne m'a mis en conférence avec Coco, Coco a parlé à 5 phrases, le dos était gelé.
Et Coco parlait comme quelqu'un, comme une diarrhée verbale. Blablabla, ça ne s'arrêtait pas. C'est comme si il fallait qu'on l'écoute. Et le même jour, quand j'ai fini l'attente, on a duré peut-être je ne sais pas combien de temps. J'ai encore eu Coco le même soir, j'ai eu Coco le lendemain. Coco, on dirait que la fille, quand tu l'appelais, elle avait ce qu'on appelle des crises d'anxiété, son estomac. Elle était vraiment, c'est comme si, wow. Il est bien vrai, c'est Ngossa qui a fait le déclencheur. Ça dit, crée ta page, clash, Ngoi. C'est Ngossa qui a été l'élément déclencheur. Mais ceux qui ont tenu ça pour que ça aille jusqu'au bout, c'est les gens comme moi, les Tatana. Parce que justement, même Wakatolo. Parce que justement, quand on est venu, et que moi, personnellement, j'ai pris le pouls. J'ai dit non, mais cette fille, elle sort de l'eau, mais elle est. Mais c'est pas possible. Et comme c'était quelqu'une que j'étais aussi une victime, donc je comprenais encore Coco plus. Et maintenant, pour Coco encore, c'est qu'elle a même partagé l'intimité de cette personne. Donc, vous savez, les rapports sexuels, ça a une définition spirituelle. C'est-à-dire que quand tu es en rapport sexuel avec quelqu'un, vous partagez l'esprit et le corps. Donc, l'esprit de Ngoï est dans Coco, l'esprit de Coco dans Ngoï. Donc, c'est comme. C'est un esprit. Donc, ils ont même les esprits communicants. Donc, ça veut dire qu'elle a possédé cet enfant. Donc, il faut qu'on délivre cet enfant. C'est comme ça que je suis entrée dans cette histoire. Mais pour Virus, c'est pas comme ça que j'ai appréhendé ça, parce qu'il y avait des éléments qui faisaient que je trouvais qu'elle déjà peut partir la fondation de sa porte de sortie, de ses pistes de solution de son problème avant que nous on embarque. Parce qu'elle a les agents, elle a l'autre au Cameroun, les agents, les ceci, les cela. Elle nous citait un peu ça. C'est comme ça que ça n'a pas fait, ça fait pas 2 mois ou 1 mois et demi. Nous avons eu une sortie de Virus qui était quand même macabre. J'ai aussi souligné cette sortie parce que dans mon frigo, je passais, comme j'avais coupé, j'ai mis ça au frigo. Où elle était en train d'accuser Tatana, parce qu'elle disait que Ngossa disait qu'elle n'a jamais insulté les parents, parce que vous savez que les leaders bracata de Facebook aiment venir prouver qu'elles n'ont jamais fait quelque chose, pourtant ce sont elles qui ont fait, et si, parce qu'on n'a pas le temps, nous on est occupés de travail et tout, beaucoup de choses, on n'a pas le temps d'aller dans les archives chercher, exhumer les vidéos, elles sont en train d'insulter. Donc Tatana a fait une sortie et dit que tu avais insulté le papa de Virus à la, vous êtes à la morgue. Je me souviens même plus de la scène, c'est un peu trop loin pour moi, mais je sais que c'était une scène vraiment bizarre. Et Tatana a refait, a reparlé de ça. Ça n'a pas plu à Virus. Il a noté que la maman de Virus, Tatana, ils se connaissent. C'est des gens, ils se connaissent, bah ça ou quelque chose. Peut-être il y a des antécédents, peut-être on ne comprend pas. Moi, je n'ai rien compris. Moi, je me suis dit que, ah, peut-être il y a des froids, peut-être il y a des choses. Et c'est comme ça que Virus dit que Tatana ne doit pas prononcer son nom parce qu'elle s'est battue toute seule, sa mère l'a aidée, Dieu a fait ceci. Elle a fait une sortie vraiment bizarre ce temps-là. Et dit que oui, compresseur a fait des saletés, elle aussi a fait des saletés. Donc elle a un peu peint compresseur en blanc. Ce moment, on spite en blanc, parce qu'elle dit qu'on peut se croire que je vais la supplier. Je ne suis plus personne ici ce matin. Si vous ne parlez pas le restant de ma vie, rien ne me fait. On n'avait pas rendez-vous sur terre. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'un gosse-pute fut un peu blanchi par Virus dans cette vidéo. Et Virus demandait qu'on ne prononce plus son nom, que quand vous faites vos débats, de préférence de ne pas prononcer son nom. Nanana. Ok. Donc, c'était comme waouh. Moi, on m'a appelé. Oh, Virus dit que vous la laissez. Virus dit qu'elle n'est pas dans votre camp. Moi, je dis, moi, je n'ai pas de camp. Moi, je n'ai pas de camp. Je ne suis dans aucun camp. Moi, je dis ce qui est. Oui, je peux être sympathisante, comme j'aime bien Lolo et son mouvement, mais je ne suis pas dans un camp. Je ne suis pas dans un team. Lumière, ténèbres, obscurité, Sodome, whatever. Non. Donc, quand Virus dit qu'elle n'est plus dans votre camp, la personne qui m'a écrit ça, je dis que, mais de quoi tu parles? Et les gens faisaient que m'écrit tout le temps que Virus a repris avec son mari. Je dis que c'est son problème, c'est sa vie, c'est le père de ses enfants. Elle n'est pas même d'avoir le SVSC sur la toile, pourquoi? C'est pas mon problème. Elle a repris, qu'est-ce que ça me fait? C'est sa vie, c'est comme si tu divorces, tu te remets. Ouais, le problème. C'est comme Thierry retourne avec Tatiana. Moi, pas dedans. C'est son problème. Ungo, ça reprend papa Achille. Ah, la bouche qui a tété, tétera. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, je ne peux pas. Je n'étais pas parmi les gens qui voulaient retirer Virus du foyer pour que si elle retourne au foyer, ça me dérange. Elle a dit qu'il lui a fait du mal. Si elle trouve que le mal là était même, peut-être c'est même ça qui l'a fait, qui fait qu'elle est contente et qu'elle vive bien. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Donc ça fait que cette sortie, c'est important de le souligner. C'était une sortie vraiment bizarre. Tatana même n'a pas, je crois que Tatana n'est pas remontée dessus. Je crois que ça s'est passé un peu comme une lettre à la poste, c'était fini. Et pour que maintenant, on atterrisse à une sortie de Ngossa qui prouve que le mari de Virus est revenu à la maison. Avec des vidéos, c'est des photos, je ne sais pas, mais qu'un monsieur est couché dans le lit, des enfants sont là, et Virus à la coiffure, qui ressemble même à la coiffure qu'elle a sur sa tête, ou je ne sais pas quoi. Donc, et c'est comme ça que, je vais dire, et c'est comme ça que finalement, je perds mes idées, hein. C'est comme ça que finalement, le Virus a déclaré comme elle a déclaré, et puis, elle a repris son couloir, je vais dire, elle faisait ses choses. Comme je vous ai dit,
Moi, je n'étais pas trop entrée pour les motifs que je vous ai donnés. Je vous ai dit que moi, une maman qui s'assoit, dit qu'elle a 12 000 euros, 15 000 euros, je ne sais pas combien de 1000, et que c'est une dame qui garde son argent, et que la porte, ils avaient d'un foyer, et que le lit était le lit, le monsieur avait 80 000 euros, il a acheté le lit de 5 ans. Moi, déjà, avec mes 12 000, tu achètes le lit de 5 ans, je trouve que ce n'est pas bon d'acheter le lit de 500, je me couche sur ça. Parce que c'est d'abord moi qui me couche sur le lit, j'ai Yamo le lit. Donc, il faut déjà que nous sachions que nous vivons d'abord pour nous-mêmes en même temps et mieux, et nous vivons, on est en train de partir. Donc, à quoi ça sert de garder ce montant et d'être sur le lit de 50 euros et de me plaindre du lit? Mieux, je vais chercher le lit de 500 puisque j'ai beaucoup d'argent. C'est ce que je me dis. Donc, tout ça, c'était un peu ambigu pour moi. Donc, du coup, j'avais du recul. Je préfère vous parler de ça parce que on reste souvent ici sur Facebook, on se lève un matin, quelqu'un atterrit sur quelqu'un, boum, on commence à dire que c'est quoi. Moi, déjà, je vous dis déjà devant vous ici, je n'ai pas peur et je n'ai pas honte de n'importe qui. Je dis bien, au jour d'aujourd'hui, qui se lève pour me laver, aller et retour final, ça ne me fait plus rien. Ma famille me considère comme j'ai toujours été à leurs yeux. Ma belle famille, pareil. Je dis bien pareil. Vous comprenez avec quoi? Mes amis, pareil. Donc, rien n'a changé dans ma vie. Donc, n'importe qui se lève pour décider qu'il va me faire ma peau, mais c'était comme les boum qui se lèvent, sortent de nulle part. N'importe qui. Vous avez vu que j'ai essuyé tous les injures parce que les gens voulaient que je laisse Flo Magina tranquille. Dieu merci, j'ai tenu mon bout. Et au jour d'aujourd'hui, on sait. On sait qui est sous la sellette. On sait c'est qui a chuté sans vitesse initiale. On sait c'est qui est couché par terre sur le dos comme le cafard et que même les pieds ne bougent plus. On sait. D'accord? Mais ça a pris du temps. On m'a traité de folle. J'ai rasé mes cheveux par moi-même. Je me suis levée le matin puis la tondeuse m'a rasé mes cheveux pendant le confinement. On a dit que je suis folle. Donc c'est la folle qui vous parle, comme vous dites là. D'accord? Mais une folle à l'université qui a les notes 30 sur 30. D'accord? Voilà. Donc il faut arrêter. J'ai dit, il faut arrêter. C'est comme ça que du coup, elle est sortie sur Tatana et puis Ngossa est venue avec l'histoire de sa vie. Son mari est revenu. Samedi, je suis de retour de mon... J'étais à l'anniversaire, j'ai une amie, grande sœur à nous ici, une très belle femme de très grande vertu, Manie triplée, qui faisait les 60 ans de son mari, une surprise, elle m'a invitée depuis 2 mois. J'ai dit non, je vais venir. J'étais en plein fin de session. Dieu seul sait le travail que j'avais à remettre à mon professeur. C'était un travail de tout le long. Que tu savais. Tu écris. Après, tu as senti que ton cerveau est vide. C'était ça. Dieu seul savait que je devais remettre ça au portail. Parce que moi, je travaille, je fais l'université à distance. Donc, on a une plateforme Moodle où les profs nous déposent les cours et où on dépose aussi les travaux. On donne une journée, une heure avant minuit. Dieu seul sait que j'étais dans mon week-end de fin de session intense. Mais j'avais dit oui, je vais aller. Donc l'anniversaire commençait à 16h, donc je suis allée. J'ai fait ma fête. Je me suis mise très belle, très sexy, pleuvait et tout, voilà. Et je me suis bien amusée. Ça s'est très bien passé. C'était majestueux. C'était waouh, le monsieur. Il nous a même dit qu'il va fêter ses 25 ans, hein, 30 ans de mariage, je ne sais plus là. Oui, 30 ans, je crois. Et il va fêter ça au Mexique et qu'on va faire une semaine au Mexique. J'ai dit oui, il faut seulement nous donner les dates. On va se préparer à l'avance et puis on va tous être au Mexique pour vivre. Hein, pour qu'on fête seulement tous les jours, jusqu'à ce que le séjour finisse. Bref, entre parenthèses, et c'est comme ça qu'en chemin de retour, je trouve que virus est en direct, et elle est vraiment, parce que vous savez, il y a parfois, tu passes sur Facebook, tu vois un direct, mais tu ne vois pas la personne, par exemple, si je me mets à faire ça, j'aurais 1000 personnes, si je fais des mouvements comme ça. Comme je suis là, quelqu'un passe, mais il va dire, la main s'il fait les mains comme ça, pourquoi? Les mains comme ça, là, ça va seulement amener les gens à entrer. Ton vu, c'était là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai toujours commencé à enregistrer, en fait. J'ai commencé à enregistrer, parce que, arrangez-vous, hein, quand vous faites vos directs, si moi j'arrive, je suis bien en train d'enregistrer. Quand j'entre dans vos directs, je suis bien en mode d'enregistrement, je suis tout avec quelqu'un. Donc, c'est comme ça. J'ai commencé à enregistrer, et j'ai suivi jusqu'à la fin. Elle parlait, je vais te faire. C'était vraiment les menaces. Moi, je ne sais pas comment vous vivez en France. Excusez-moi, en Europe en général. Nous, ici, en Amérique du Nord, même la police qui m'avait demandé, qui m'avait ordonné dans ma maison ici, OK, que si quelqu'un te harcèle, réponds-lui. La police me l'a dit devant mon chéri. C'est pour ça que ça ne dérange pas mon chéri quand je vous réponds. Vous dites qu'elle est mariée, son mari la laisse. Mon chéri sait qu'elle, si elle répond pas, elle ne suis pas bien. Donc, quand je réponds, c'est là qu'elle suis bien. Je lui dis OK. C'est bon. Le policier a dit devant mon mari, elle a le droit de répondre. Parce qu'on me disait avant, quand on m'harcelait, que, oh, tu es une femme mariée, tu es au-dessus, tu connais les Africains, elle te dépasse, tu les dépasses avec quoi? J'ai l'unité de mesure qu'on dépasse, c'est quoi? Je suis ici, mon cou est gros. Vous avez entendu comment Lolo a entré l'autre jour pour parler, manger de crotte de nez, elle a dit qu'elle veut parler, mais c'est ici, c'est ici. Parce que souvent, on étouffe.
On étouffe avec l'injustice et le mensonge qu'on met sur nous. On nous dit que toi, tu les dépasses. Tu es seulement là. Tu les dépasses. Tu t'enfonces. Tu les dépasses. Tu descends. Tu les dépasses. Dépasser avec quoi? L'unité de mesure, c'est quoi? L'unité de mesure, c'est ça. Quand l'amour arrive là, on clame cela. Il n'y a rien qu'on parle avec ça. Ça ne m'amène nulle part. Même la chaise, même le ceci. C'est pour ça que je n'aime pas me vanter. C'est à cause d'ingouilles. Quand vous me trouvez, dit que cuisine de la gloire glorieuse, machin, chouette. Ce n'est pas mes trucs. C'est pas, je suis dans ma maison depuis des années. Ngoï, première année qu'elle vit au Canada, c'est dans la maison. Si je suis les chaises, c'est qu'elle s'assoit. C'est déjà pas une autre chaise. Pour vous dire, quand on investit dans quelque chose qui est bon et solide, ça reste longtemps. Pas les chaises jaunes, les chaises vertes. Nous, on a eu toutes les couleurs, les chaises blanches. On a eu toutes les couleurs beige. Tout, on dirait qu'on vole seulement les chaises là où on ramasse ça en route. On met quand les punaises sont, on jette, on prend d'autres. Je suis toujours sur les mêmes chaises. Depuis Brondo Lasso. D'accord? Donc. C'est comme ça que je filme le direct, je poste. Et puis, je rentrais, il était 3h du matin. J'ai posté, puis j'ai dormi. Le lendemain, je suis levée, c'était comme... Ouh. Je ne savais même pas qu'elle va supprimer pour elle, parce qu'elle a fini, elle est partie. Moi, j'ai aussi posté, moi, j'ai dormi. Le lendemain, on m'écrit qu'elle a supprimé pour elle. J'ai dit que, ok. On dit que, merde, tu as pris le direct de virus. Ou j'ai dit que, frie, comment elle a fait ça cette nuit? On dit que, mais il n'y a rien sur son mur. J'ai dit que moi, j'ai pris ça que sur son mur. C'est qu'elle a alors supprimé. On m'écrit comme ça, je reste tranquille. Voilà que tranquillement, on avance. Tranquillement, on avance. Elle fait encore une autre direct. Dans la journée que je suis dans ma journée, machin, ceci, bim, je vois encore une direct. Je coupe encore un petit bout, je mets. On ne coupe encore un petit bout, je mets. D'accord? Et désolé, j'ai mis les trois bouts, les quatre bouts que j'ai mis, que j'assume et qu'elle devrait assumer. Moi, ce que je vais dire à Virus aujourd'hui, ma fille, tu dois assumer tes sorties. Tu es fâchée. Tu es remontée par compression parce que tu dis qu'ils ont menti, que la vidéo est le père de tes enfants, c'est le montage. On veut te croire, c'est le montage. Mais pourquoi tu supprimes? Et pourquoi tu empêches de relayer l'information aux gens qui relaient l'information? C'est comme si tu demandais au Congo Saba de fermer les bars. Manu de Manu, me tchadou, chabenzi. Hé, atchata, me réveillou, me Manu de Manu. Me tchadou, maman, chabenzi, grande dame. Je te salue, beauté. Ouais, tu m'as manqué, maman des étoiles. Ouais, Seigneur, ça fait longtemps. Quand tu venais comme ça, tu me bombardais sur les étoiles. Pour, je dis que, hé, la femme, tu vas me tuer. Je dis que, pourquoi vous. Vous sortez, vous faites une sortie dans un direct et vous supprimez ce direct. Pourquoi? Ou vous demandez aux gens, parce que je vous fais ce, je parle de Virus parce que Virus m'a envoyé un message. Pas très poli, je trouve, mais je vous ai déjà dit que je peux comprendre. Peut-être elle avait aimé qu'on prenne son affaire, je ne sais pas comment. Je ne sais pas, parce que peut-être pensait que tout le monde devait embarquer. Moi, je ne sais pas, parce que même moi, mon mari m'a dit que pour cotiser, je dois envoyer aussi à qui doit envoyer à quoi, pour cotiser dans son problème. Mais moi, je ne pourrais pas cotiser dans son problème parce qu'elle a dit qu'elle a 12 000. Si elle a 12 000 qu'elle a gardé et qu'elle a les problèmes, elle ne peut pas utiliser les 12 000. Moi-même, mon argent que je garde, j'utilise d'abord pour mes problèmes. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas entrée, ma fille. Là. Donc, tu ne peux pas venir me dire, elle m'écrit bonjour, supprime mes vidéos sur ta page. Merci. Mais c'est quoi le projet? Je suis entrée dans ta chambre chercher les vidéos. Question. Je ne suis pas entrée dans ta chambre chercher les vidéos. Tu as fait le direct. Tu as supprimé. Tu as refait un autre. Tu as supprimé. Tu as refait encore un autre. Tu as supprimé. Ça dit que les couteaux que tu tiens, tout ce que tu tiens, tu ne les assumes pas. Assume-toi, ma fille. Moi, je suis ta mère. Moi, je m'assume. Je m'assume aller et retour final. Mes directs, mes vidéos, mes ceci, on prend, on met où on veut. J'en ai rien à cirer parce que c'est en public. C'est déjà versé moi. Tu ne peux pas finir de faire un direct. Tu laves quelqu'un comme tu laves et tu me demandes de supprimer sur mon mur. Merci. Et d'une façon, je dis, mais attends, j'ai volé ça quelque part. Tu es en train de te plaindre pour ton truc de ton mari, tes enfants. Tu dis que ça a mal fait. Tu promets que tu vas... Moi, je ne sais pas pour vous, en France, ici chez nous, il n'y a pas de promesse de mort qu'on fait à quelqu'un. Ni de voix de fait. Je vous dis bien, tu tentes de déclarer de ta bouche, comme Josephine Jomwe était souvent sur moi, il appelle depuis et la voix plus là. Josephine John, moi, je me lève, je dis que je vais. Vos choses que vous faites souvent, avec vos phrases lourdes et fortes que vous prononcez sur vos semblables, faites très attention. À moins que peut-être vous êtes shooté à quelque chose. Parce que si ça arrive, que ça tourne au vinaigre, ha, le dossier criminel qui va vous poursuivre. Mais vous allez faire la prison. On ne déclare pas certaines choses comme ça. Je vais faire ceci. Parce que la façon qu'elle a déclaré dans son direct, c'est qu'elle devait faire à Angosa. Mais c'est la magie. Mais ça fait peur. Elle a dit qu'elle va descendre. Tatiana, il y a un autre qu'elle a dit que Tatiana, j'arrive où c'est à Rouen, où c'est Ngosaya où? Ngosaya à Rouen. Non. C'est Tata Lolo qui est à Rouen, Ngosaya où? Oui, Tata Lolo à Reims, donc Ngosaya à Rouen. Oui. Tu dis que tu arrives, tu vas ceci, c'est très dangereux. On ne fait pas comme ça, on ne déclare pas les choses comme ça. Moi, je ne sais pas pour vous en Europe. Je vous respecte.
Je ne sais pas comment votre pays fonctionne. Moi, nous ici, même la police qui avait parlé dans mon salon devant mon mari. C'est pour ça que beaucoup de gens se questionnent que pourquoi la mère a répondu son mari ou mon mari sait que je ne réponds pas, je vais tomber malade. Je dois vous répondre et vous mettre sur vos chaises. Me tendez, voilà. Et je m'assois et rien ne me fait. C'est ça qui est bon pour moi, c'est ma thérapie. C'est important. Parce que quand vous, quelqu'un vient d'écrire la tissante, que quand les gens ne répondent pas, ils sont en train de mourir. Oui, oui. Elle ne répond pas, elle est en train de mourir. Parce que justement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde, elle ne répond pas. On lui dit, tu es une grande dame, tu les dépasses. Elle est là, elle bavarde seule. On va la trouver machin, vous parler seule. Ce qu'elle devait dire à l'autre, elle dit ça à elle seule. Ce qu'elle devait dire, tant que la parole que tu veux semer à l'individu X n'arrive pas à bon port, tu n'as rien dit. Et la personne pose, te dit que je ne savais pas. Ouais, comme quand Angoué finit d'insister. Ouais, je parlais seulement comme ça, non. C'est seulement Facebook. Mais elle ne voit pas jusqu'où ça t'a affecté son seulement Facebook là. Donc tant que la parole n'arrive pas à bon port, tu n'es pas tranquille. Il faut mettre ça dans vos têtes. Et nous sommes des adultes. C'est ça qui donne les choses comme les remords, les anxiétés, les crises d'anxiété, les ceci. Depuis que Coco Kouetou s'est libéré de Ngoué, vous voyez pas qu'il y a une femme affranchie? Il y a une femme affranchie qui est clore. Ça a donné un résultat. C'est ça qu'on est en train de vous parler ici sur les réseaux depuis. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc toi, virus, tu viens dans mon inbox me dire que je dois supprimer la vidéo. Oui, j'aimerais bien la supprimer, ma chérie. Mais tu l'as d'abord fait pourquoi, en fait? Tu n'assumes pas ce que tu as fait, beauté? Pourquoi? Sois une femme qui assume. Quand tu t'es levée pour t'asseoir sur ton mari pour le laver, tu assumes, ma chérie. Pourquoi tu me demandes de supprimer? Pourquoi? Pourquoi tu l'as d'abord fait, en fait? Donc tu ne le pensais pas, alors. Tu étais sous quelque chose, alors. Dans ce cas, refait une autre vidéo et dit que je renonce à ce que j'ai dit. Ce que j'ai déclaré sur Ngossao, sur le père de mes enfants, je ne sais pas quoi. Parce qu'on t'accuse que tu es venu, Ngossao dit que tu es venu prendre des argent aux gens, or que tu es toujours avec le père de l'enfant, donc c'était la frappe. D'accord? Toi, tu sors, tu dis que c'est faux, c'est un montage. Voici même, il est venu, j'ai versé les envers de Javel, et je viens de faire comme ça, je l'ai chassé, voici les chaussures pour la petite, les chaussures pour l'autre, les ici, les cela. C'est toi, c'est qui connais même ce qui s'est passé, ma fille. À la fin de la journée, là, en bangant, on dit que. Donc on fait le problème, on laisse le problème concerné du problème. Quand nous tous sommes rentrés chez nous dormir, chacun dort que ce sont toi. Il comprend que ça part de problème que sur lui. Le problème là qu'on a parlé en route, là, ça reste pour la personne qui était en route. C'est ça. Donc, virus, excuse-moi ma fille. Je ne sais pas, hein, peut-être tu vas atterrir sur moi bientôt. Moi là, hé, mon dos est large. Regardez. Large jusqu'à. Même si tu fais 10 ans. Pour m'insulter, ça ne change rien. J'ai dit rien. D'accord? Ça ne va rien changer. C'est-à-dire que, comme on vous connaît, parce que vous faites comme ça, vous vous levez. Boro sangui la chèvre, ton mari a fait comme ça, vous êtes toujours sur des choses à deux balles là. C'est comme le récit, le classique de Facebook. Vous mettez le classique, vous commencez à jouer, c'est le même changement pour vous que vous jouez depuis. Vous ne voyez pas que le disque est rayé? Changez un peu. Faites autre chose. Donc, ceci pour dire à Virus Lydia qu'elle doit apprendre à assumer. Elle est une adulte maintenant. Elle a 30 ans ou 29 ans, je ne sais pas là. Mais c'est une adulte. Virus, tu es une grande femme. Tu es une maman de plusieurs enfants. Il y a même des femmes qui rêvent d'avoir le nombre d'enfants que tu as. Mais tes actes, des fois, ma chérie, je suis désolée. C'est des fois un genre. Et comme c'est des fois un genre, peut-être c'est pour ça que tu te ressaisis après. Mais après, tu veux maintenant qu'on efface. Mais tu t'imagines le nombre de relais qui a eu sur ces informations. Tu vas écrire à tous ces gens, YouTube là, la personne qui a la page virus de YouTube, je sais que c'est pas toi. Tu vas faire comment pour aller là-bas effacer. Donc ça, c'est des signes et des paroles, des messages. Quand tu vois des grandes personnes comme nous, on te demande de ne pas parler sur un certain genre de choses. On ne dit pas que ne va pas porter à ce monsieur. On ne dit pas que ne poursuis pas ce monsieur. Mais c'est le père de 1, 2, 3 enfants. Et peut-être même 4. Je ne sais pas si tu enseignes, je ne sais pas. Parce qu'on a dit là-bas que tu enseignes, tu as dit que ton fils me menace beaucoup, donc peut-être le fils dans le ventre, ou c'est le fils qui marche, je ne sais pas s'il y a un garçon bébé, ou alors c'est le grand garçon, comme c'est le papa, peut-être il a reconnu tous les enfants. Je ne sais pas. Ma chérie, ta vie t'appartient. Nous là, on est juste des connaissances de méta. Mets-nous dans ce rang-là. Donc, hein, on est là comme on peut ne pas être là. Mais ta vie t'appartient. Et tu es le seul agent. C'est-à-dire que de développement de situation de je ne sais pas quoi de ta vie versus nous. Nous, on est juste des gens de passage. Oui, des gens de passage. Sur Meta, tu nous as croisés comme nos routes peuvent se séparer. Combien de personnes s'est séparées sur Meta ici? Flop. J'ai dit flop. Et on continue.
tranquillement. Chacun continue sa route dans son coin et dans son côté. Ton virus, moi, je vais te dire, les choix, je ne suis pas, je peux pas te juger. Tu as fini de faire ça et tu te sens à l'aise. Assume. Oui, assume tes sorties, assume ce que tu fais. Assume-le. Ne fais pas, tu fais direct. Tu parles, tu supprimes. Tu fais l'autre direct. Tu parles, tu supprimes. Les copieurs, comme les nous, on est là. Quand on finit de copier, on dépose. C'est pour que l'information soit relayée. Parce que tu le pensais quand même. Tu le pensais quand même. Et quand bien même tu veux qu'on supprime, tu appelles la personne. Tu lui parles. Tu lui parles. Avec le respect, par exemple, s'il te plaît. Parce que c'est aussi le travail, copier et mettre là. À bon fort. Et relayer l'information. C'est pour que j'ai d'abord le macabre de Mossa. Donc quand tu t'assois sur elle, c'est bon à moi. Et j'ai bien écrit en titre, vous avez réveillé le virus dans son sommeil. Parce qu'effectivement, tu avais donné, n'est-ce pas, une petite fleur à Angosa. Quand tu étais en train de tirer sur ta tante, elle dit que tu as quitté l'équipe. C'était une petite fleur que tu as donnée à Angosa. Et maintenant, tu reviens maintenant et tu veux seulement marcher avec le couteau pour elle. Non, mais chérie, à quelque part là, hey, réveille ma fille. Tu es une femme intelligente, universitaire, tu es en maîtrise de quelque chose, je ne me rappelle plus. Ma fille, réveille. Réveille. Je crois que la conversation qu'on avait eue à toi, là, tu avais trois femmes qui avaient la même. On ne s'est pas causé avant de t'appeler. Hein. Je n'ai pas appelé Patrice Sachet qui appelait, on l'a disons lui ceci. On ne s'est pas concerté, mais la façon qu'on t'amenait, on avait le même. C'est-à-dire que la même façon, c'est-à-dire le même courant de pensée pour ton problème. Mais tu nous as minimisé. C'est correct aussi. Hein. On comprend que. On dit souvent chez nous, on sort. Donc quand tu fais les points, tu laisses les problèmes concernés du problème. Donc c'est toi ce qui sent ça sur toi. Donc on a compris. Et moi j'ai compris, j'ai dit, ah maman, si elle se sent, c'est bien. C'est quand on commence maintenant à me demander l'argent que j'ai dit que, hey, moi je cotise quoi? Quand il y a 12 000 euros chez l'autre qui arrête, ça veut dire qu'il y a le cash. C'est quand il n'y a rien que tu peux dire que, ah, mais il y a 12 000 euros que quelqu'un arrête. Pourquoi je dois encore être dans les cotisations? Vous pensez que dans nous, on n'a pas aussi les problèmes. Nous, on n'a pas aussi les familles, on n'a pas aussi des projets à court, à long terme et des gens aussi qu'on aide. Donc c'est autant de choses. C'est ce que je voulais te dire. Alors, prépare ce que tu peux préparer pour moi. Ça ne me dérange pas, ma fille. Je suis blindée. Ça me pique, je vais même copier aussi. Ça avait posté que, oh, elle dit que quoi, je poste aussi. Donc, ça ne me dérange plus, en fait. C'est comme chez moi, je peux dire, ça, c'est la coulance, quoi. Ça glisse. Ça ne me dérange plus. Tout ce qu'on peut dire sur moi ne me dérange plus. Je suis devenue blindée. Parce que j'ai compris comment Meta fonctionne, en fait. Vous voyez, non? Et ça, c'est vraiment ce que je voulais dire à Virus Lydia. Et lui, c'était vraiment long feu avec ses enfants. C'est sûr que ce n'est pas évident d'être dans une période de turbulence à tout moment comme ça. J'espère que tu te remets très, très vite. Parce que tu nous as montré une chambre, il y avait une personne qui semblait être là. Je ne sais pas si c'est ta maman ou si c'est une amie ou je ne sais pas quoi. Mais c'est, en tout cas, je ne sais pas. Je te souhaite vraiment bonne chance et long feu dans ce combat. Ça risque d'être rude. Et si compressor, je vais l'appeler compressor. Si elle est sortie pour souligner ça, c'est parce que si c'est vrai, c'est injuste. Maintenant, si c'est faux, tu as raison de ressortir. Donc, tu vois que c'est comme deux poids, deux mesures. Si c'est vrai que tu es retourné, ça va être injuste pour ceux qui ont cotisé, ceux qui t'ont soutenu. Mais si c'est faux, c'est correct. Tu la poursuis comme tu la poursuis. Donc, tu vois qu'on n'a pas besoin. Des fois, ouvrir le rideau sur ce qui est de l'intimité, ce n'est pas des fois nécessaire. Et quand les adultes, mûrs, comme vous vous parlez, comprenez, ce n'était pas une affaire. Parce que monsieur Siakam, là, il n'est pas sur Facebook. Ce n'est pas pour que tu... Tu tires. Non. On a vu Michel et son mari est sorti sur elle. Il nous a tout raconté. Tout. Elle n'a pas répondu. Elle n'est pas bête. Parce qu'elle ne veut pas alimenter. Ça, c'est fini. Il avait déposé le temps, là, c'est fini. Il y a plus. Peut-être c'est maintenant qu'elle parle qu'on va connaître qu'il y avait quelque chose. Si on ne donne pas le nom du monsieur, tu vas trouver ça où? Vous voyez? C'est comme ça. Donc, des fois, tu fais ce qu'on appelle l'ignorance intentionnelle. Parce que ça commence déjà des affaires de couple et des enfants. Vous êtes liés à vie. Que tu le veux, même s'il est bandit de grand chemin, même s'il est quoi? C'est le papa des enfants. Oh. Donc tu as l'option de te taire et de l'ignorer pour la vie. Et de faire ce que tu as fait pour tes enfants. Tu as la chance, tu as des fans qui t'aiment bien et qui te soutiennent. C'est correct. Mais c'est sûr que la sortie de Ngossa, si c'est vrai, tu as une. Si c'est faux, tu poursuis Ngossa. C'est correct, mais pourquoi tu n'assumes pas tes sorties? Pourquoi tout de suite le direct, tout de suite fermé? C'est comme moi je finis ce direct, j'arrête. Pourquoi? Pourquoi je devais arrêter? Est-ce que qu'est-ce que j'ai dit dedans qui n'est pas bon? Et qu'est-ce que j'ai dit dedans? Si on vient sonner à ma porte, madame, c'est vous un tel, vous allez faire un direct. Je dis, c'est moi. Vous allez dire, c'est oui, c'est ça. J'approuve ce que j'ai dit. Je n'invente pas, ma chérie. C'est important. On est en train de mûrir, là. Toi-même, tu es une jeune femme. Tu es en train de mûrir. Et tu as beaucoup d'enfants. Donc, il faut que tu les inculques certaines valeurs. Certaines valeurs, c'est important. C'est important, virus.
Oui, c'est important. Donc, voilà, ça c'est ce que je pouvais dire sur le virus. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais que vous, quand je fais les directs, vous n'avez même pas les questions. On continue les partages. On continue les partages parce que je n'ai pas assez de partages. J'ai demandé d'avoir 200 partages sur ce direct et je n'ai pas assez de partages. Ce n'est pas normal. C'est la mama. Ah, merde, la mama. On continue les partages, s'il vous plaît. Parce que c'est ça. J'ai demandé 200. Je n'ai que 164. Ça ne marche pas. Il manque encore. Donc, stop, pause, partage. Vous aimez, vous sortez, vous mettez un j'aime sur les vidéos parce que les interactions ne sont pas assez. Vous mettez un j'aime. On est presque 600 ici. Vous sortez, vous mettez un j'aime la vidéo. Vous revenez maintenant dans la vidéo et vous partagez aussi. Vous partagez dans vos groupes, dans WhatsApp, dans Twitter, dans Instagram, tous les réseaux. C'est important. Ce que je dis là, c'est valable pour tous. Oui. C'est une parole d'évangile. Comment on fait son lit? On s'y couche. Envoyez les étoiles aussi. Hein. Et qui c'est? Comment est-ce vous? Vous avez oublié que la capture des étoiles, l'icône des étoiles est là qu'il faut appuyer pour mettre les étoiles. C'est comment elle. Vous voyez les étoiles là, elle met bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'était pour ce qui est de virus. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si quelqu'un peut monter dans le direct. Pas d'injures, hein, pour parler. Pour parler ce qu'il a perçu, sa perception du truc. Ça ne me dérangerait pas. Je donnerais une pause pour un peu boire de l'eau. Ou vous avez peur, je ne sais pas. Moi, j'ai peur de personne. C'est le respect qui me lie avec les gens. Quelqu'un trouve que j'ai mal fait, il décide de m'insulter. Moi, je le bloque, je ne suis plus ce qu'il dit. C'est tout. Pas d'injures, s'il vous plaît. Moi, je dis ce que je pense. Comment mes bio? Comment ça? Ouais, je t'aime beaucoup, vraiment. Merci. Vraiment. Tu es très belle, tu es très rayonnante. Je voulais passer un message à nos sœurs. Vraiment, les gens pensent que moi, je suis quelqu'un de créé. Quand tu parles et que tu dis, tu fais l'évangile, tu vois, tu as dit si quelqu'un veut monter, je monte parce que tu as parlé de l'évangile. Tu es vraiment, tu es. Comment dire, l'espèce rare. C'est-à-dire que malgré tout, tu conscientises. Beaucoup de gens te jugent, même dans mon gouvernement, les gens te trouvent tenace, insistante et un peu vraiment, comment expliquer, même haineuse, parce que certaines me disent que tu es haineuse. Mais moi, je crois que tu t'exprimes. J'ai écouté une histoire d'une dame aujourd'hui parlée par Lady Sonia. Lady Sonia racontait l'histoire d'une dame. C'était deux copines. Une parenthèse vite faite hein, pour expliquer un peu ta pensée à toi et ta manière de réagir que certaines ont du mal à te comprendre. Certaines qui me demandent de ne plus te suivre et je parle à mon gouvernement en passant. L'histoire que Lady Sonia a racontée aujourd'hui, Lady Sonia a dit, il était une fois, il y avait deux copines. Les deux copines, la copine avait son gars. Et sa meilleure amie a récupéré son gars, partie avec. La copine a eu mal. Elle s'est retirée de la ville, elle est partie. 10 ans après, elle est venue tuer sa copine qui avait récupéré son gars. Le gars ne l'avait pas épousée, hein. Oui. C'est-à-dire que tu as ton gars, non? Tu sors avec lui. Tu as ta meilleure amie. Tu parles de ton gars à ta meilleure amie. Ta meilleure amie vient arracher ton gars. Elle part avec ton gars. Toi, tu déménages de la ville, tu pars. 10 ans après, tu viens tuer ta meilleure amie. Alors, je trouve que ta manière de procéder, c'est meilleur que de garder rancune et de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que c'est une manière de faire ta thérapie. C'est vrai que ce n'est pas 10 ans après, exactement. elle est venue tuer la fille. Oui. Jusqu'à la poignarder et se retrouver, les policiers l'ont récupérée. Lady Sonia a raconté cette histoire. Ça veut dire quoi? J'interpelle le gouvernement du Saint-Esprit dans ce direct, les gens qui te jugent, plus précisément mes amis de la Belgique là, pour dire que vaut mieux faire comme la reine mère bio, parler et évacuer dans son cœur que de garder rancune et d'aller poignarder. Tu comprends un peu, non? Donc moi, je vais dire que vraiment,
Bravo et conscientise tes sœurs. Un jour ou l'autre, ça va s'arrêter parce que même si la conscience refuse d'écouter, le subconscient se souviendra. Amen. Tu es dans la logique. Amen. Beaucoup m'ont dit non, ne parle plus avec elle. J'ai dit non, ma sœur. Je préfère que quelqu'un qui ouvre son cœur, qui dit ce qu'elle pense, que de garder rancune. Parce que le fait est que tu fais les directs pour t'exprimer, c'est ta part de thérapie là-bas. C'est une manière d'évacuer ton mal, le mal que Facebook t'a fait et les gens que tu as rencontrés virtuellement t'ont fait. C'est ta manière. Donc, certaines personnes trouvent que tu es tenace, tu es haineuse, tu es rancunière. Je pense que c'est faux. Et ces personnes, comme ce sont mes gens, je ne peux pas les reprendre comme ça, mais je veux passer, je profiter de ton direct pour leur dire que laissez la reine Mère Bio s'exprimer. C'est sa manière de faire sa thérapie. Vaut Amen. mieux parler et évacuer des choses que de garder en soi et que la rancœur te ronge et que tu organises un retour, non-retour. Donc, ça veut dire que, mon artiste, je pas que je te coupe, ça veut dire que, on dit souvent que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle et les actions aussi que, l'action que la dame a fait, la dame qui est revenue tuer, c'est que les 10 années là, elle n'est pas guérie de la Non, douleur. elle n'est pas guérie, elle est Donc, restée dans le oui. silence. Et non seulement ça, je pense que la dame, tu as dit, parce que quand tu pars, mais ça, tu pars ailleurs, tu t'établis, tu fais tes choses, peut-être dans les hommes que tu rencontres. Parce que, par exemple, elle avait refait sa vie, comme on dit souvent, et qu'elle s'était tombée peut-être sur quelqu'un de bien qui lui fait, tu as dit, qui est mieux que ce monsieur, peut-être elle aurait laissé sa copine, car elle parle même avec. Mais je suis sûre que quand elle est retournée ou qu'elle allait s'établir ailleurs, tout ce qu'elle trouvait, son esprit était toujours là-bas et il n'y avait personne Justement, qui pouvait remplacer. elle n'a pas pardonné sa copine, elle a pris le recul et elle a dit que pendant 10 ans, elle a réfléchi, organisé comment avoir sa copine. Elle a médité le malheur de sa copine pendant 10 ans et au bout de 10 ans, elle a réussi à avoir sa copine. Donc, elle a appelé sa copine pour faire comme si elle voulait se réconcilier avec sa copine et elle s'est masquée pour poignarder sa copine. Et quand la police est arrivée, elle a dit à la police que je vais tout vous raconter une fois au commissariat. Et elle a dit à la police que effectivement, elle a médité pendant 10 ans et pendant 10 ans, elle réfléchissait comment atteindre sa copine. Elle s'est déplacée pour ne plus être dans la même ville. Elle a gardé sa copine rancune pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, elle a recontacté sa copine pour faire un semblant de paix. Et sa copine a dit, bon, bref, je ne suis même plus avec ton gars là, j'accepte ta paix. Sa copine a accepté la rencontrer. Et c'est quand elle a voulu rencontrer sa copine alors que l'autre s'est masquée et elle lui a poignardé. 10 ans après, elle lui a poignardé. Et quand elle lui a poignardé, la police est venue la prendre, la police l'a amenée au commissariat et elle a dit à la police qu'elle a médité ça pendant 10 ans, seulement parce que sa copine lui avait volé son gars. Donc, Reine Mère Bio, c'est bien d'en parler comme tu fais parce que c'est ta manière d'évacuer la haine. C'est une thérapie. Facebook, de fois, c'est une sorte de thérapie pour oublier le mal qu'on nous a fait. Moi-même, j'ai pleuré ici sur Facebook, les gens m'ont pris pour une folle. C'était ma manière de faire mon deuil, ma thérapie. Chacune de nous a sa manière de faire sa thérapie ici sur la toile. Tu t'imagines, on a filmé les fesses de temps, on a montré ici sur Facebook. J'ai vu encore notre Marthe Chopin à cœur ouvert pleurer. Quand Marthe Chopin parle de sa vie intime, elle pleure. Elle a pleuré dans le direct à cœur ouvert, Tata Lolo. Tata Lolo a failli se suicider ici par rapport à sa nudité. Tata Lolo a fait sa thérapie. Marthe Chopin a fait sa part de thérapie. Vous voyez même les gens qui deviennent aigris, méchantes là, c'est profond. C'est des choses. Regarde par exemple l'histoire de Flore et moi que la dame est couchée au cimetière. C'est un truc qui m'a traumatisé.
J'ai fait ma thérapie. Chacune de nous a sa part de thérapie ici, à sa manière, sur la toile. Tu es en train de parler de cette dame de l'Allemagne, là, et tout, tu faisais allusion à elle par rapport à son mariage et tout. C'est elle qui a exposé son gars. Peut-être le fait d'exposer son gars, c'était sa part de thérapie, je ne sais pas. Oui, mais... mais sauf que dans le virement de situation, il ne fallait pas que les images viennent encore sur le net rejoindre les personnes protagonistes qui sont plus ou moins d'accord avec elle. Parce que quand Perpétue a pris et reproduit, c'est ça qui l'a frustrée. Elle a encore fait ses dernières sorties. Et ces dernières sorties, elles menacent. Hein? Ces menaces sont vraiment houleuses, là. C'est le genre, tu entends... Mais Reine, mais bien, en ce moment, tu supportes qui, Lolo ou Perpétue? Parce que je suis un peu perdue, là. Bon, je t'explique, c'est pas une affaire de supporter. Vous savez, dans le supporter, il faut que vous compreniez une chose. Il y a ce qu'on appelle logique, ok? La logique, à partir du moment que Perpétue a remarqué que le gars est revenu, parce que Perpétue a sorti une photo et une vidéo, il y a une photo qui circule dans le net, elle-même virus a reposté et dit que, vous dites que quoi, elle-même a reposté cette photo, j'ai vu ça, tu comprends? Donc, Perpétue est sorti pour retracer que tu as escroqué les gens. Que oui, tu es venu raconter une histoire, tu as menti, tu as retourné ton nom, tu as escroqué les gens. Voilà ce que Perpétue voulait montrer. Or, il n'y a pas deux mois ou un mois et demi, Virus a donné une fleur à Perpétue au détriment de Tatana. Comme quoi, oui, Tatana, tu gueules avec Perpétue, tu dis qu'elle avait insulté mon père, laisse mon problème avec elle, j'avais fait le mal, elle aussi, elle a fait le mal, on va se régler, on est des adultes, on est donc, comme, n'entre pas dans mon problème, je me suis faite seule, j'ai fait ma thérapie où je me suis réglée seule. Ma mère m'a aidé, Dieu, je ne suis pas dans votre équipe, je ne suis pas ceci, c'était une histoire comme ça. Il n'y a pas un mois et demi ou deux, si je ne me trompe pas. Maintenant, moi, ce n'est pas une affaire de supporter. Perpétue, c'est un être humain, elle pense dont elle est. Donc, il y a une nation qui s'est posée où Perpétue est acteur et c'est de ça que je parle. Ça n'a pas rapport que je supporte Lolo ou Perpétue. Et l'action, c'était quoi? L'action de Perpétue, c'était quoi? C'était que Perpétue a fait un direct pour prouver que Virus est retourné avec le père de ses enfants et qu'elle a escroqué les gens et menti sur le monsieur qu'elle est venue le livrer ici sur Facebook. Voilà le résumé. Et maintenant, quand Perpétue fait ce direct, c'est là que Virus fait la sortie samedi, là, il y a 2-3 jours. Pour ça veut dire que Perpétue a touché Virus là où il ne fallait pas. Voilà. Et Perpétue a déclaré que le mari est revenu. Et Virus dit que c'est un montage. Donc, c'est maintenant sa parole contre celle de Perpétue. Je ne suis pas là pour justifier que qu'est-ce non, si Perpétue a parlé, ça veut dire qu'il y a fuite d'informations. Perpétue ne fait pas les directs de mensonges. Moi, je ne peux pas dire que vrai ou faux. Perpétue ment aussi beaucoup. Parce que Perpétue dit, par exemple, que je suis mariée au Fugo, mon mari est parti. Mon mari n'est jamais parti. Donc, Perpétue, c'est une menteuse aussi. Donc, tu vois que ça veut dire qu'elle dit, elle avait dit ça, hein? Oui. Donc, en fait, dans les souhaits, c'est que ton mari parte. Oui, mais il faut prier pour que ce soit le contraire. Retour à l'envoyeur, ça existe. C'est tout. Et c'est comme ça. Donc, parce que si quelqu'un veut que ton mari parte, tu mets tes genoux par terre, tu dis, Seigneur, que sa parole retourne contre cette personne. Comme ça, c'est son mari-là qu'elle a pris à Tatiana qui doit se retourner. Qu'elle croit à cette vidéo-là. Donc, Virus dit qu'elle n'est plus sur les réseaux sociaux, elle est revenue. Quelqu'un dit qu'elle dit qu'il y a les commentaires. L'autre dit qu'elle croit à la vidéo qu'elle a vue. Moi, je ne sais pas si c'était une vidéo. Moi, j'ai vu un monsieur coucher, des enfants de part et d'autre, et Virus assise à côté d'eux. Ils étaient comme à 4, je pense, cette image. C'est comme une photo, je ne sais pas. Donc. Regarde, la petite Virus, là, n'est plus dans les clashs. Il faut la laisser dans son coin. C'est pour ça que je dis que, n'étant plus dans les clashs, mais elle est revenue à 48 ou 72 heures, c'était houleux. Hein. J'ai vu même qu'elle a donné rendez-vous de bagarre à Perpétue. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pour dire qu'elle a été choquée que Perpétue ait souligné ça. Tu sais, il y a des gens qui posent des actions, mais ne voient pas qu'il y a des gens qui vont revenir à la rescousse. Et pas plus tard que 2 mois, elle avait quand même donné une fleur à Perpétue. Je ne sais pas si on a informé Perpétue de cette fleur. Donc, voilà. Maintenant, Perpétue est sortie. Et peut-être par rapport à la fleur, elle a pu peut-être faire comme si elle n'a pas vu. Et c'est la sortie de Perpétue qui réveille les gens sur ce problème. Et maintenant, quand ça réveille les gens, il y a une maman Colette, la maman française, qui a envoyé, qui a forwardé à Virus. Virus a lavé la maman. maman Colette voulait faire savoir à Virus que regarde comment elles sont en train de t'insulter. Parce que maman Colette soutient Virus, en fait. Mais c'est toute une histoire, en tout cas. Moi, voilà. Donc, moi, j'ai coupé la vidéo parce que ça m'a trouvé. J'ai coupé, j'ai mis. Et j'ai coupé encore l'autre parce qu'elle a fait plusieurs. À chaque fois qu'elle faisait, elle supprimait. Mais moi, j'ai coupé, j'ai mis. Et puis, elle m'a écrit, dit que supprime ma vidéo, quoi. J'ai dit que, okay. Vous faites des vidéos publiques. Comme là, je suis en train de faire la vidéo. Donc, j'ai fini, j'ai fait supprimer une fois. Pourquoi? Donc, non, si mais... je me retourne.
Reine Mère Bio, personne ne te donne dictat sur Facebook. Tu es une grande dame. Tu fais ce que ça te passe par la tête. Donc, les petites sœurs ne doivent pas te guider. Si elle a fait, pourquoi elle a d'abord fait? Elle a d'abord fait pourquoi? Pour demander après qu'on supprime. Si elle ne voulait pas qu'on prenne, elle n'allait pas faire de vidéo. Point basta. Bon, alors, si tu as mis, c'est de ton droit. Quand c'est là sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en sert. Hein? Tout le monde, moi-même, je suis là dans ton direct là. Et puis, si n'importe qui veut prendre ma voix pour aller balancer n'importe où, je n'ai rien à foutre parce que je me suis permis d'entrer. Je n'ai pas demandé l'autorisation de quelqu'un ou machin. Ou quand elle prend sa caméra, quand elle prend sa caméra pour mettre que oh, elle veut parler, il faut qu'elle assume son parler. Si tu ne veux pas parler en public, alors tu ne veux pas que les gens te capturent ou t'enregistrent, ne parle pas. Alors si tu mets déjà une caméra, ça veut dire que c'est international. Il m'a publié ma photo dans mon entrée de ma gloire glorieuse. Il m'a publié là-bas, on m'insulte là-bas. Je vais faire comment? Qui t'a publié? Qui? Ça, non, on te publie partout, non. Et quand il publie comme ça, ce qu'il va lui écrire, il dit que ne me publie pas. J'ai mais qui est la page Congo, ça, là? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave, hein? Moi, ça me dérange même plus. Moi, on peut me mettre partout. Je les ai même dit, on gosse, putain, goï, de me couper et me mettre partout. C'est parce qu'ils parlent tellement bien que quand ils vont me mettre, on va mettre des compliments. Ils ne veulent pas que je prenne les compliments sur leur mur. C'est pour ça. Ouais. Je veux passer chez eux. En tout cas, ma reine mère bio, vraiment que Dieu te donne santé et longue vie au nom de Jésus. Ton combat est noble, vaut mieux faire ça que d'assassiner, tu comprends? Oui. Parce que les gens, quand des fois je fais mon dieu, les gens disent que ouais, la reine mère bio exagère. Je dis que ouais, laissez la reine mère bio. Des fois même, je parle même que oui, c'est vrai, elle exagère, machin, mais pour dire vraiment, vaut mieux faire tes directs là que d'aller assassiner. Parce que l'histoire que Sonia. Lady Sonia nous a raconté, ça m'a fait froid au dos. Ça m'a fait froid au dos. Et je sais que les histoires de Facebook sont plus pires que cette histoire. La fille a seulement récupéré le gars de sa copine. Mais nos histoires de Facebook, si c'est la sorcellerie. Mais nous, on arrive à digérer. Ça veut dire qu'on a un mental de fer. Mais il y en a qui ne digèrent pas le mal. Tu lui fais le mal, elle te garde dedans. Même 100 ans, elle va t'avoir. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'invite les internautes. Quand vous voyez la reine Mère Bio faire son direct, respectez la reine Mère Bio parce que c'est une enfant de Dieu. Elle parle pour évacuer. C'est sa part de thérapie. Ne dites plus qu'elle est tenace ou que sans flore, elle n'allait pas réussir ou qu'elle mangeait trop. William Carrel dit que la thérapie a une fin. Reine Mère Bio cherche les étoiles. Maman, William Carrel. Ce n'est pas la thérapie, je laisse des manous parler, c'est l'heure juste. Je recadre Ngoyi et bien d'autres personnes. Je ne suis là, je suis d'aucune team, donc ça ne va pas, je te recadre. C'est l'heure juste et la vérité. Donc tu veux dire que je fais une thérapie sur virus, que virus m'a fait quoi? Je fais une thérapie sur pour expliquer l'affaire de plaisir à mode que lui m'a fait quoi? Je recadre. J'ai la sagesse qui va avec, la sagesse divine, donc je parle. Toi, si tu vois que j'ai parlé, c'est pas bien. En fait, finalement, elle-même, c'est une conseillère. Tant voilà. Qu'elle ne clash pas. Tant qu'elle-même ne clash pas, c'est une conseillère. C'est notre conseillère, c'est notre patriarche. On dit matriarche, c'est notre matriarche. Maman. Ils vont mettre le titre, après ils vont t'enlever même ça à Kassan. Je n'ai pas besoin même de titre. Elle dit qu'elle cherche les étoiles. William Carré, mets alors les étoiles. Je vais te mettre les étoiles, la reine Médio. Quand je vais prendre l'abonnement, là, je vais prendre un nouvel abonnement avec l'iPhone 15. Dès que l'iPhone 15 sort, je prends un nouvel abonnement. Je vais te verser les étoiles. Surtout quand tu donnes l'heure juste et que tu ne clashes pas, je te verse les étoiles. Mais quand tu clashes, je suis moi jusqu'à... Tout ce que j'ai dit sur Ngoï, c'est la vérité. Sur ta soeur, c'est la vérité. Tout ce que j'ai dit sur le plaisir, c'est la vérité. Laisse ma soeur là tranquille. Tu sais que... Flore a même changé. Hein. Je remarque depuis que, à part Lolo, Flore n'est même plus dans les clashs, à part qu'elle titille un peu Lolo. Mais depuis là, elle est dans ses petits coins. Ton petit coin. Mais il faut la laisser. C'était ton ami. Hein. C'était ton ami il y a 5 ans, 7 ans en arrêt. C'était ton ami. Donc, du moment où elle ne t'a tué personne, vraiment, dans la vie, hein, moi-même, tu connais mon histoire avec ma soeur. Là, tout le monde le sait. Mais moi, je ne suis plus dans les classes. J'ai dit que je laisse ça derrière. Il faut savoir laisser le passé derrière pour avancer.
Parce que si tu restes dans le passé, tu ne peux pas évoluer. Donc moi, je lis beaucoup la Bible. On continue. Et dans la Bible, on dit les choses passées sont passées. Les choses aujourd'hui présentes, merci, on remercie Dieu pour le souffle de vie. Et les choses qui arrivent demain, on laisse ça entre les mains de Dieu. Vraiment, je suis très contente de savoir que vraiment, tu es dans ta posture de conseillère de notre matrice de la toile de notre matriarche, je ne sais pas comment dire en français, mais tu es plutôt une sage. Tu parles, tu raisonnes, tu es dans la sagesse. Donc, tu n'es plus dans les clashs. Les gens même qui veulent t'attirer dans les clashs, je vois même tu les évites. Et certaines personnes qui se disent que oh, tu es ceci, tu es cela, tu es toujours derrière Flore, je dis non, parce que vaut mieux même mettre la caméra et parler comme ça que d'aller assassiner quelqu'un. Mais ouais, c'est aussi une forme. Flore est derrière ma Flore ne peut pas faire un direct sans me prononcer. Donc c'est ça. On est derrière l'une de l'autre, c'est ça. Ah, c'est parce que ça. Moi j'ai vu ces derniers directs et je ne vois non, pas ton nom. Il y a mon nom, hein, là où il y avait la robe bleue, là tu as oublié. Pour le sangui. Montre ton salon, le frigo a fait que ceci, cela, tout. J'ai même coupé, j'ai mis. Quand elle est sale, je coupe, je mets. Ok. Bon, le sang, c'est moi, non, toi aussi. Ah, le bidema nous laisse ça. Je n'ai pas vu le direct, c'est... là, excuse-moi, je n'ai pas vu. C'est sur ma page, j'ai mis. C'est là, elle avait la robe bleue, c'est son dernier direct. Ah, donc dès qu'elle fait un direct, là où elle prononce Borosang, tu coupes. Je suis son alter ego. C'est-à-dire que quand elle s'assoit, c'est moi, elle voit. Même mais à un moment donné, vous aviez fait la paix, non? La paix, là, non, encore passé pas quoi? J'avais dit, quand elle demandait son argent que rembourser et voler, j'avais dit à mon... Ça veut dire que tu aimes toujours ta copine, et, là, parce que tu l'as quand même soutenue. C'était pas ma copine. Non, non, c'était pas ma copine, nuance. Parce que les petits gens, il y a peut-être 450 personnes, là. C'était pas ma copine, Demanou. C'était... 563 personnes. Voilà. 500. Oui, c'est ça. Voilà. Les 463, c'était pas ma copine, 563 personnes. 500. En tout cas, ça... Il y a 500. Le nombre de gens. Je vois 563 personnes connectées. Je vois. Sur ton direct, il y a marqué 563 personnes. Oui, c'est bon. Mais ce n'était pas mon ami, oh. Il faut qu'on soit clair. C'est une femme, je vais te résumer vite fait, qui a pleuré sur les réseaux, là seulement qu'elle a suivi l'affichage que sa copine lui a fait, ses copines du piment. Entre autres, elle est Somba. J'ai eu de l'empathie avec mon chéri et elle m'a demandé, lors de son anniversaire de 1 septembre, 2000 combien là, je me rappelle plus, c'était 17 ou 10, je sais plus l'année là, de l'inviter au Canada. Mm-hmm. Et c'est comme ça que Marie, que je l'inviterai à mon événement. C'était pas une amie. Et pendant que je l'ai invitée, elle est venue, elle m'a nommé PDG de ça. C'est elle qui t'avait demandé de l'inviter. Oui. Ah bon? Oui. Puisqu'à l'époque, elle disait qu'on l'invite, on met. On paye son billet et son hôtel. C'était seulement le billet et l'hôtel à l'époque. C'était la première personne. Elle a mis l'argent à moins de 2 semaines qu'elle venait. Je lui ai expliqué ça dernièrement dans un direct. C'est elle. Mais n'est-ce pas, je croyais que c'est toi qui l'avais produit, l'invité, tout ça. Mais c'est elle qui m'a demandé inbox de l'inviter. C'est pas le Congo, ça, elle le sait. C'est pas le Congo, ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand je lui souhaite bon anniversaire, c'était un septembre de son anniversaire, que je l'invite en mars qui suit, le septembre d'avant. Bon anniversaire, elle dit que bon anniversaire, comment ça va, tu es au Canada, je dis oui. Mais elle savait parce qu'elle m'a vu que je dansais. Danser derrière mon challenge avant de la connaître. Donc il faut que, il n'y a rien que ma maison, c'était là, j'étais assis mes chaises ici. Donc c'est pas comme si elle est venue, elle dit que j'étais appris à faire ceci, elle m'a rien appris. Non, j'ai rien appris à une sapa. Donc je l'ai invitée parce que j'ai eu l'empathie. J'ai vu que ouais chérie, j'ai même dit à mon mari. Elle faisait le piment avec ses copines et une de ses copines a pris ses photos publiées et envoyées à son fils avec son numéro. Et quand son fils a téléphoné sur le téléphone du piment, c'est elle qui a décroché et ça l'a mis mal. C'est méchant. Et les gens sont méchants à Paris. Hein. Et puis chérie a dit qu'invité, on peut l'inviter à la journée. Il a dit oui et c'est comme ça que j'ai invité. D'accord? C'est ça, c'est vérité. Vérité vraie. Malaise. C'est ta soeur. Non, tu es copine. Ce n'est pas ma copine. Donc, elle m'a mis PDG de sa lignée. Tu peux être dans une empire, tu peux faire partie d'une entreprise, tu peux travailler dans un mouvement, mais tu n'es pas copine avec la patronne du mouvement. Ce n'est pas ma copine. Elle ne peut pas être ma copine. Ça ne peut pas. Mais je ne l'appelle toi, pas. Toi, tu es partie à Londres avec elle. Elle dit que même ta soeur de Londres, la celle qu'on appelle, comment elle s'appelle, la reine quoi là, de Londres, là, ta soeur Bagaté de Londres. Reine galloise, Glen galloise voulait venir la voir à l'hôtel, tu as barré l'entrée de Reine galloise, nous a parlé ça ici sur Facebook. Non, jamais, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu sais, hein, quand on veut s'allier,
y a des choses qu'on invente. Rendalas, pour moi, c'est une petite sœur que tout est réglé. Ça, on a fait la paix, c'est fini. Il y avait beaucoup d'inventions, par exemple. Voler la chaussure, j'ai jamais volé. C'était des histoires. Parce que quand on veut salir, il y a certains gens qui ont l'éducation telle que quand mais est-ce que c'est vrai que tu avais barré l'entrée de l'hôtel à Reine Galloise à Londres pour Flore? Parce que Reine Galloise voulait voir Flore. Premièrement, à Londres, je peux répéter tout ce qui s'est passé. À Londres, c'était l'invitation d'un gars qui, j'oublie même son nom là, avec Charlie Jones et tout. Reine Galloise est venue après. C'est-à-dire que quand on a invité Flore, on m'a invité. Et comme Reine Galloise est dans le mouvement, elle est en... dans le GAL, pays de GAL, le gars a invité Reine Galloise quelques temps avant l'événement. Donc Reine Galloise a complété l'effectif, si tu veux. Et quand Reine Galloise est venue, il y avait trois chambres. Le gars avait prévu trois chambres, mais on lui a dit de ne plus prendre une quatrième chambre parce que ça allait lui faire dépenser trop. Donc Reine Galloise a dormi avec moi. Flore a dormi dans l'autre chambre. Je n'ai jamais barré rien de chambre, de rien. Tu sais, quand on veut salir, moi je t'ai dit ce que j'ai eu. C'est qu'on m'a humilié et me sali, me traiter pour ce que je ne suis pas. C'est pour ça que j'ai choisi de combattre et je continue à combattre. Parce que ton image, ton autorité et ta personnalité n'acceptent pas que les gens viennent la bafouer pendant que tu es en vie. Laisse qu'on le fait quand tu es dans le... Comment je peux dire? Laisse qu'on le fait quand tu es dans la tombe, dans le cercueil. Ben, si tu es morte, tu ne peux plus répondre. Dis débat nous, on dit tout, tu ne réponds plus. Là, tu acceptes. Mais si tu es encore en vie, ne laisse pas. Et moi, c'est ce qui se passe avec moi, je ne laisse pas. Mais c'était de l'invention. On a dit que j'ai volé les... Il y avait trop d'histoires bizarres là, mais tout ça c'est derrière moi en fait. D'accord. Donc, de toute façon, moi je comprends que dans ce monde virtuel, il faut être sage et intelligent. Mais c'est pas tout qu'on doit embrasser. C'est pas mon ami. Qui? Flore n'était pas mon ami. Je pouvais faire 6 mois, je l'appelle pas. C'était pas mon ami. Parce qu'elle a comme ça dit, je ne veux plus l'amitié, tu forces. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur une certaine bande de racailleux, c'est que quand il y a un problème, ils font comme on te rabaisse. Je ne veux plus d'amitié, tu forces. Je ne veux plus de ceci. Tu demandes de ceci. Tu es mendiante. Donc, c'est ça. Mais quand je t'ai vu au 9 septembre au bateau, tu étais vraiment, tu t'es donné corps et âme, hein, franchement. Parce que je suis comme ça dans tout. Demande-nous. Même si toi, tu fais un truc, je suis là, je vais donner corps et âme. Ça ne veut pas dire que tu es mon ami. Il faut qu'on soit clair là. Parce que l'amitié se définit. Les gens ont une mauvaise notation de l'amitié. L'amitié, c'est autre chose. C'est autre chose, l'amitié. L'ami de quelqu'un, mais attends, pour mettre quelqu'un dans un rang d'ami, c'est un secret. Tu es une connaissance. Oui. Flore était une connaissance et j'appartenais à son mouvement. Et j'aurais pu, c'est-à-dire, elle aurait pu bâtir son empire et je suis dedans si tout allait bien jusqu'à ce que, mais on n'est pas amis. Mais pourquoi on est dans le pourquoi elle n'a pas voulu partager avec toi? C'est ça que je n'ai pas compris. Mais parce elle était égocentrique, tout pour elle, rien pour les autres. Tu as entendu même Nivakine est sortie l'autre jour dire quoi? On lui remettait les cadeaux, elle prenait. Tu as entendu ça? Donc, c'est que elle doit tout manger partout. Tu peux pas manger partout, ça peut pas arriver. Il faut partager. Il faut avoir l'esprit de partage. Voilà. Parce que quand tu as l'esprit de partage, tu réussis. C'est ça qui l'a fait couler, en fait. Elle voulait manger toute seule. C'est dommage. Et c'est là où on en est. Là. Donc... En tout cas, Reine Mebio, je te souhaite une bonne fête de travail. Je t'aime beaucoup. Que Dieu continue à te bénir et te donner santé au nom de Jésus. Donc, je te laisse continuer ton direct. Vraiment, connectez-vous beaucoup sur la page de la Reine Mebios, la dame qui donne l'heure juste sur Internet. Merci. Et vous avez remarqué que la Reine Mebio reste, elle a la même ligne éditoriale depuis des années. Donc, elle ne change pas, elle ne bouge pas d'un grain. Donc, elle ne faillit pas. Elle est droit dans ses bottes et elle a la tête haute et les épaules carrées. Donc, ce n'est pas évident. Arrive. J'ai mon agence matrimoniale qui arrive. Reine Mebio Meet and Love. Donc, rencontre amour. Donc, quand tu me vois, tu m'aimes tout de suite. Et dans mon agence, les gens vont faire des rencontres. Je vais participer à cette agence. Ils vont être terriblement mariés pour la vie. Comme moi-même, je suis terriblement mariée pour la vie. Je vais participer pour dans ton agence. Tu me dis, je vais t'aider, je vais participer. Un franc symbolique est toujours bienvenu. Et je le dis avec mon cœur. Merci de ton invitation. C'est très gentil. C'est normal. Tu sais, des fois, quand je fais mon direct, les gens viennent parler de toi dans mon direct. Et je ne veux pas que toi et moi, on soit fâchés. Parce que si un jour, on capture, je dis aux gens que toi, tu ne t'as pas de ta manière de faire ta thérapie. Moi, c'est ce que je pense. Que les gens disent que oh, Reine Mebio est haineuse, elle est collée sur les fesses de Flore de Lille, machin. Je pense que vaut mieux faire les directs comme ça que de garder rancune 10 ans pour aller tuer l'autre par rapport à l'histoire de Lady Sonia. Moi, je dis ça à mes gens. Je dis ça à mes gens qui viennent te juger dans mes directs que moi, je préfère une dame comme Reine Mebio qui parle. Même si vous et moi, on fait le Congo ça sur elle, que non, elle est ceci, elle est cela, elle est haineuse, elle est signe, elle est Flore, machin. Ça, c'est le Congo ça du quartier. Mais la vérité, c'est que toi, tu dois t'exprimer et tu dois évacuer ta part. Et tu as ta manière d'évacuer sans rancune.
Tu entends? Je passe un message à mon gouvernement. Les filles qui viennent me dire que, oh, laisse Renmei Bio, machin, tout ça, machin. Moi, je n'ai pas de problème avec Renmei Bio. Que Renmei Bio fasse même 1 milliard de direct. Mon problème, c'est que tant que Renmei Bio reste droit dans ses bottes comme elle est là, elle ne faillit pas. Elle est cohérente dans ce qu'elle dit. Attends, le Facebook, c'est public, c'est international. Les gens disent ce qu'ils pensent. Si quelqu'un a envie de raconter son histoire, même pendant 100 ans, c'est son problème. Mmh. Pourquoi vous dites que oh, elle est neuse, elle est collée derrière les fesses de Flo, quoi, machin et tout. Mais même Flo, quand Flo fait le direct, elle mentionne la reine mais bio. Mmh. Donc, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Terriblement. Terriblement. Voilà. Donc, j'invite mon gouvernement que quand vous me voyez chez la reine mais bio parler, ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Ne dites pas qu'un débat nous ne pas plus parler chez la reine mais bio, ne pas plus parler. D'abord même, dans Facebook, je n'ai pas de team. Je parle partout. Vous connaissez. Je parle partout, dans tous les groupes. Même chez ma soeur Flo, là, je parle parler là-bas. Donc, je n'ai pas de problème. C'est celle ou celui qui veut venir me créer des problèmes. Moi, je vais te répondre. Tant que Renmei Bio ne m'insulte pas et que je ne l'insulte pas, elle et moi, on n'a pas de problème. Tant que Flore de Lille ne m'insulte pas, je ne l'insulte pas. Elle et moi, on n'a pas de problème. Tant que Tata Lolo ne m'insulte pas, je ne l'insulte pas. Elle et moi, on n'a pas de problème. Donc, c'est point basta. On me dit que Renmei, ma chère, c'est terminé. Moi, je suis avec tout le monde et je ne suis avec personne. J'aime ma personne. La bonne charité commence par soi-même. Je m'aime d'abord avant de vous aimer, vous toutes. J'aime celle qui prophétise l'amour. Je ne crois pas que Renmei Bio est une haineuse. Parce que quand j'entre dans son direct, elle me prend, elle me respecte. Elle respecte la créature. Donc, ne serait-ce que ce point-là, on doit la respecter aussi. Le respect est mutuel et le respect ne s'achète pas. Le respect se mérite. Renmei Bio mérite qu'on la respecte parce qu'elle nous respecte. Amen. Amen. Ma bonne soirée, bonne fête de 1er mai, bonne fête de travail. Oui, à tous les travailleurs du monde. Merci, ma chérie. Bisous, bisous. Mm. Bisous. Love you. Bye bye. Yes. Je t'aime, maman. Je t'aime, ma soeur. Merci, maman. Ciao, ciao. Donc, notre artiste a parlé. Donc, voilà. Ok, elle est descendue. J'ai les commentaires jusqu'à. Attends. Mon bébé, je vont pardon. Il y a des situations où on veut aider, discuter, le corps n'est pas bon. Mon bébé, et qu'elle pense, voulait aider Chatri. Hein? Demain, nous va tout mettre. Et que vous êtes quand même agressif. Hein? Oui, l'affaire de Marthe. Oui, Marthe, oui, Marthe, 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 Marthe. L'affaire du décès de. Comment on appelle. Maman, il est commenté où. Voilà, quelqu'un dit qu'enfin, hey, vous n'êtes pas gentil, franchement, vous si mettez assis là, je ne sais pas comment elle fait avec vous. Hein. Maintenant, on va un peu parler de Marthe, d'abord du voleur Narcisse. Narcisse Souroufereux. Narcisse Souroufereux, on est voleur. Narcisse Souroufereux, on est voleur. D'accord? Oui, William, je ne vais pas lire vos commentaires. Narcisse Souroufereux, on est voleur. Inenala, on est voleur. On est zazodom. On est Google Minga. Tu arnaques tes soeurs. Tu prends leur carte de crédit, tu les prélèves. Tout le temps. Narcisse Souroufereux. Vendeur de mèches, dinosaure de. Akana, un dinosaure de quoi là? Dinosaure, le grand dinosaure des mèches. Que tu es tellement gros, costaud, tu vends vraiment. On a volé. Inenala. On a volé. Narcisse Souroufereux. On a volé. Tu as volé comme ça. Ici à Moya, j'ai maman que tu as volé. Dans mon WhatsApp, j'ai toutes ces informations que tu as volées. Tu as prélevé les dos, tu n'as pas envoyé les mèches. Narcisse Souroufereux, tu dois créer ta vente de mèches en entreprise. Tu dis que ça fait 26 ans que tu exerces. Donc, dans 26 ans, là, tu n'as pas trouvé, hein, tu n'as pas trouvé un moyen de créer une équipe de travail qui fait en sorte que tes compatriotes arrêtent d'être volés. On est voleur. Tu prends l'argent des mèches, tu ne postes pas les mèches en Souroufereux. On est voleur. Écrivez, voler. Parce que ce n'est pas normal. Si ma mère parle de virus, j'ai déjà parlé de virus, non, j'ai déjà fini avec le virus. Est-ce que je vais encore dire quoi? Si elle va me clasher, quoi. Moi, je n'ai pas le temps, moi, je m'en fous.
J'ai dit à Narcisse, comment ça se fait que tu as une entreprise, ok? Tu livres les mains, tu fais la publicité avec tes mains. C'est vrai qu'on ne peut pas palper. Comme là, j'ai ma perruque fétiche là. On ne peut pas savoir l'aspect que ma perruque a. On ne peut pas palper. Ok? On voit seulement une perruque fétiche là. Comment ça se fait que tu lances un direct, tu fais le direct, tu fais le direct volet de ton état, tu prends l'argent à tes compatriotes et tu n'arrives pas à les livrer. Non, c'est un souffre. Ce n'est pas normal. Tchèle, voleur. On est voleur. On est voleur. D'accord? Parce que vraiment, comment une... Moi, je vais te dire là où il y a la tare dans ton entreprise. Vous avez toujours mangé l'argent, le beurre, l'argent de beurre et la crème. Le... Vanessa dit qu'il dit qu'il a la boutique aux Champs-Élysées. Quand on va sur l'adresse, c'est l'adresse de lui, Vito. Mais il prend les Dunkoff, non, les Dungrou, les Dunkoff. Puisque quand il vous dit comme ça, vous croyez que c'est vrai. La boutique nulle part, il est dans sa chambre, il a mis un étagère, il verse au moins 8 perruques là. Lui-même, il a 15 là dans le sac. Ça avait ça qui tourne comme s'il avait 1000 perruques. Et toi, tu crois que l'entreprise tourne tellement. Tu peux faire du dropshipping. C'est que Narcisse Nsoukou-Foré, c'est-à-dire que la demande a dépassé l'offre. Au lieu que Narcisse Nsoukou-Foré informe ses employés, que ses clients, que voilà, je vais vous livrer dans 3 semaines. Lui, fait comme s'il va te livrer dans une semaine. Et dans une semaine, il ne livre pas. Et il a annoncé que Ngoye est la seule qui n'a pas parlé. C'est normal. Ngoye est la patronne de la congrégation d'Enchele et lesbienne. C'est normal qu'elle va te protéger. Enchele, même qui prend l'affaire, Narcisse Nsoukou-Foré va lui donner 1000 euros, il va fermer sa bouche. Parce qu'on parle de beaucoup d'argent. C'est parce que les femmes qu'il a arnaquées, il n'y a pas de téméraire et de solide Dieu debout. Oui, il vend depuis sa chambre. Il a une chambre, il a un petit coin, il a mis le tableau là, il s'assoit là sur le coin là, il fait les mèches, il vend. D'accord? Ma reine mère Burin, jamais capuré que ça fait depuis novembre. Il n'a jamais reçu. Tu n'as jamais reçu ta perruque depuis novembre, voilà. 160 euros et je n'ai jamais reçu ma perruque, ça fait depuis novembre. Tu veux monter dans le direct pour nous expliquer, c'est ça aussi, hein, parce que vous écrivez, vous croyez qu'il va tout lire. Si quelqu'un veut me parler de Narcisse Nsoukou Foré voleur, il monte dans le direct. Il faut arrêter ça. Me parler comme ça, moi je vais lire quoi sur ça. Entrez dans le direct pour vous expliquer ce qui s'est passé. C'est plus simple. Vous ne voulez pas qu'on bloque, qu'on stoppe l'hémorragie. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va parler, on va quitter sur ça. Hein, parce que nous, on a beaucoup de sujets. Quand on reste comme ça, beaucoup de sujets viennent nous trouver. Donc. La magie, il a failli rendre la baronne zézé. Hier, la baronne a parlé jusqu'à. Oh là là. En tout cas, Narcisse, vous faites voler. On est volé. L'offre a dépassé la demande. Et au lieu d'informer ses clients et de se munir de collègues pour pouvoir mieux organiser, il n'a pas été capable. Oui, les gens commandent toujours parce qu'il y a les gens qui n'ont pas suivi notre direct. Est-ce qu'on est suivi par tout le monde, ma chérie? On n'est pas suivi par tout le monde. Hein? On est suivi par la minorité de crème qui veulent nous suivre, mais ce n'est pas tout le monde. Alors, regarde, Facebook a combien de personnes? Des milliers et des milliers de personnes, des milliards de personnes. Mais regarde, on est en direct, on n'est même pas 400. C'est normal. C'est normal que Narcisse Nsoukou-Foré. C'est normal que Narcisse Nsoukou-Foré voleur, un voleur, a frappé les soeurs et va continuer à frapper. Et le gars, j'espère que tu as conçu l'immeuble, hein, à Vorada ou bien à Vorbi. J'espère. Parce que la cancer de vol que tu fais là, c'est pas normal, mon frère. Si tu n'es pas capable, moi je vais te dire, là où il y a la taille de ton entreprise, c'est la livraison, le service à la clientèle, c'est-à-dire qu'il te faut une équipe de travail. Il faut que tu sois capable de dire que, ok, j'ai encaissé tant mon temps des mèches, je dois revendre tant mon temps et tu travailles à libérer tout le monde. Ok? Donc vraiment, le vendeur de perruque était dans le direct de Jean-Paul. Jean-Paul, c'est qui d'abord? Flore ne parle pas d'une affaire si elle n'est pas payée. Mais oui, pour que Flore parle de ça, tu es le long même 1000 euros. Tu donnes 1000 euros à Flore, fait le direct de ça. Flore en business, hein, c'est vous qui ne savez pas. Ngoye Satan est en business, sur maintenant. Lui, il va venir, on va parler comme ça, alléluia, comme nous on parle. Est-ce que Ngoye va accepter ça? Ngoye, tu dois donner au moins 1000 euros avant qu'elle parle. Je m'en vais sans comprendre de quoi, de Manu, je vais le suivre, de c'est ma plainte. Âge. Ok. Sans parler aujourd'hui à cause de Manu. Je m'en vais sans savoir, sans comprendre de quoi tu parles aujourd'hui à cause de Manu. Non, j'ai parlé de plusieurs sujets. J'ai parlé du plaisir à mort, j'ai parlé de la petite virus, la jeune fille, la jeune dame. J'ai parlé, voilà, je suis une assise, un sourou, le voleur. Et puis voilà, un visolo. Donc, c'est ça. Le direct était un peu en plein de beaucoup de choses. J'ai reçu ma carte, tu sais, pour la renouveler, là. Donc, je vais
Voilà, j'ai reçu ma carte et tout. Donc voilà. Je vais appeler tout à l'heure pour l'activer. Voilà. Je suis tranquille, je suis chez moi. C'est même pas une question d'offre. Il a toujours été comme ça. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas de Facebook. Sinon, il vole. Oh! Tu vois alors? Parce que moi, je me suis dit que peut-être le service à la. Vous savez que quand il y a un problème en Amérique du Nord, on essaye de trouver des solutions. Et pour solutionner, on prend les aspects qui est tout alentour du problème. Et c'est ça qu'on développe. Et on se dit, bon, s'il y a eu ça, c'est que peut-être c'est à cause de ça. Et si c'est à cause de ça, peut-être il faut qu'il fasse ça. Donc, c'est tout ça qu'on mélange ensemble. Et puis, on dit que problème, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai mis ça dans ce sens-là. Sinon, en temps normal, moi, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, là? Moi, je peux pas parler des choses qui ne me concernent pas. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Narcisse souffre au niveau l'air. Narcisse souffre au niveau l'air. Mais quand on est voleur. On est voleur. Merci pour les étoiles, ma chérie. Merci. Depuis 2019. Ah, il vend depuis. Hein. Merci, ma bisole d'amour pour les étoiles. Merci beaucoup. Maman, avant d'aller porter plainte, tu vas d'abord lancer un peu d'étoiles. Merci, chérie. Merci beaucoup. Donc, il est. Qu'est-ce que j'allais dire? Il est. Tu dis qu'il est parti faire quoi? Et. Non, non, il vole depuis. C'est ça. Non, mais tu sais, moi, je vais dire dans ce sens, parce que je viens de découvrir, moi, je ne le connaissais même pas. On m'a dit que c'est lui qui était au mariage d'un chalet qui avait lieu avec Adeline. On avait dit qu'on ne filme pas. Après, les Ngoyons ont filmé là. Donc, on dit que c'est lui qui était, ou c'est témoin, ou c'est quoi. Moi, je ne sais même pas. Donc, je ne connais pas plus. J'ai découvert quand le problème s'est posé. C'est pour vous dire que ce métal-là, parfois, il y a des gens qui sont là, mais on ne les connaît pas plus. Hein. Donc, voilà. Fait que, non, Narcisse Sougou, il faut un voleur, canal. Il est là, là. Donc, je dois travailler avec mon équipe. J'ai une belle équipe soudée de Rennes Mabes de Meet and Love. Meet and Love arrive à grands pas. Je suis tellement excited. Donc, je suis trop contente. Je bénis le ciel. Je bénis Dieu. Je remercie mon équipe de travail. J'ai vraiment une équipe qui a à cœur le projet. C'est-à-dire qu'ils sont dedans, involved et tout. Ça va être vraiment le pain sur la planche. Et c'est l'ami de Ngoye. Ah oui, il était là-bas, ok, c'est ça, je l'avais vu au mariage, là, c'est ce qu'on dit. Parce que quand on a dit, je me suis rappelé qu'il y avait ce monsieur qui marchait avec ses talons. Il fait voir cela dans ses directs. À l'époque, tous les clientes qui réclamaient leur perruque qu'elles n'avaient pas reçue. Oui, c'est vrai, il paraît qu'il y avait toujours les plaintes. Je n'ai pas reçu. Il dit, ah bon, j'ai envoyé, tu as le colissimo. Eh, hey, Visolo me bombarde, c'est le moment. Maman, j'ai pincé, oh, les étals vont me tirer. Je lui dis, premier jour du mois de mai, la fête du travail, Visolo me donne les étoiles, le fruit de son travail. Merci, mon frère. Merci, Chauvinus. Je suis chaud de faire. Merci beaucoup. Merci du soutien incommensurable. Merci, merci, merci. C'est gentil. D'Angelo aussi m'a bombardé tout à l'heure. Comme boum, il est lui go. Go, go. Je sais qu'il n'est même plus là. D'Angelo passe ma fio. Et quand D'Angelo va me donner comme ça, on va dire que je le supporte parce qu'il m'a donné. Ah bah, chez vous, quoi, nous là. Chez vous, quoi, nous là. On va dire que tu supportes D'Angelo parce qu'il t'a donné. Je dis, ah bah. Ah bah. Merci ma chérie Visolo, merci Visolo, merci, merci, merci pour les étoiles, merci ma chérie. Donc vraiment, je ne sais pas, là, je pense que les gens disent ce qu'ils disent, mais ils ne savent pas. Avant, ils discutaient les clients avec les filles Nadja sur l'avenue Montpellier, un gros malheur. Ouais, que Narcisse Soufre, un escroc, on est voleur. Ya, Rambous, envoie les mèches de tes clients, c'est pas gentil, hein, le frère. C'est pas gentil ce que tu fais à tes compatriotes là. Tu sais, les femmes travaillent dur. Quand une femme a son 200 euros, maman, qu'elle t'importe, même si elle a eu le piment, même si elle a eu comment, elle a avoir dû pour avoir ça. Si ça a le salaire, ça a la magie. Parce que pour faire un salaire de 2000 euros, c'est que tu es à un niveau déjà classe moyenne de la société. Sinon, c'est 1500, 1200, 1500. C'est que quand quelqu'un sort 200 euros sur ça, c'est pas. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Il ne faut pas jouer avec le feu comme ça. Et les gens comme ça, quand ton malheur va arriver, on ne va même pas savoir où tu as, ça vient. Il faut faire très attention à ces souffres. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donner 5 minutes pour les questions, puis je dois aller passer des coups de fil. Moi, l'école, je suis en vacances. Je suis très contente. Je vois que ma soirée est comme libre. Parce que même quand tu es étudiant, je vais vous dire une chose. Quand tu étudies, même si tu n'ouvres pas ton cahier, le simple fait que ton subconscient a enregistré que tu es étudiant, quand tu t'assois, tu n'es pas libre dans ton cerveau. Si on vous dit que hier, j'ai ouvert une bouteille de tariquet, j'ai mis tout ça sur moi, j'ai bu le tariquet, j'ai laissé un peu quand même à mon chéri. J'ai laissé comme une quantité d'un verre. Donc, j'ai bu le trois quarts de la bouteille. J'étais comme bien dans ma peau, là, je te vous dis. J'ai mis le tariquet là sur moi, propre.
avec du bon poisson frit. J'avais fait frit le poisson. J'ai fait bouillir le mbon. Et j'ai fait frit le mbon. Le dondo. En tout cas, j'étais bien là-dedans comme ça, avec le tariké. Yeah, là. J'ai bu, j'ai travaillé jusqu'à tard pour mon agence, pour Renmei Bio Meat & Love. Renmei Bio Meat & Love, c'est puissamment puissant, hein, même seulement les paroles. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu me vois, tu m'aimes. Donc, tu me rencontres, tu m'aimes. Donc, la Renmei Bio est d'abord une femme aimable, douce. Je suis comme ça. Bénie en arrivant, bénie en partant. Voilà, c'est comme ça. Et Meat & Love, c'est aussi ça. Tu me vois, tu m'aimes tout de suite. C'est comme ça. Donc, j'ai travaillé tard, j'ai dormi vraiment tard. Hein. Et aujourd'hui, je me suis levée aussi tard parce que j'ai vraiment pris ma journée. Comme l'école est finie, là, j'ai déposé tout, là, j'ai fini, là, j'ai dit, écoute, là, tu dors, Nathalie. J'ai dormi, mon cerveau même a dormi. Donc là aussi, là, même qu'elle finit le direct, elle m'avait fait des coups de fil parce que je dois, j'ai des réunions et tout avec mon équipe à travers le monde par rapport à Meet and Love. Je suis trop contente, franchement. Et je prépare mon voyage calmement et tout. Je fais un petit flash au pays rapidement par rapport à Meet and Love. Et après, je vais revenir. Bon, ça va pas être long. Ça va être très, très court, quoi. Donc, j'ai des coups de fil importants à passer. Je suis déjà dans la dernière, comment on appelle? La dernière ligne droite, en fait. Bon, on met déjà les petits dans les grands. Je suis trop contente. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression que le Seigneur me réserve une grande famille de Meet and Love. Une grande famille. Le slogan, c'est terriblement marié pour la vie. C'est vraiment immense. J'appréhende déjà ça. En tout cas, je suis dedans. Je suis involved. Je suis bien. C'est tout simplement magnifique. Être au service de ses semblables, c'est bien. Les gens de Sodome et Gomorrhe viendront d'enregistrer un cachet dans ton âge. Bof, ça dérange pas. Moi, j'ai pas peur. Hein. Moi, j'ai pas peur. Je suis déjà blindé, immunisé. Ils ont même dit qu'ils vont combattre ça. Je dis ok, je vais, comment je peux dire? Je vais attendre. J'ai pas de problème avec les combattants. Hein. Ils combattent, ça me dérange pas. Je vais attendre. Je vais vivre le combat, ça dérange pas. Donc, tout se passera en ligne. Non, 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 non. C'est one-on-one, hein. C'est un pour un. Donc, il y aura y aura une fiche d'enregistrement. Ensuite, il y aura une fiche d'inscription. Et ensuite, il y aura le contrat à signer. Donc, on a trois étapes pour commencer à bénéficier, n'est-ce pas, des services de l'agence, quoi. Donc, il y a trois étapes à traverser. Tout s'ouvre le 15 mai. Je travaille fort pour que le 15 mai, ce soit opérationnel. Chez les personnes en liste d'attente, même surtout au niveau du pays, il y a une coach centrafricaine qui est prête à ouvrir son Centrafrique. Et j'ai une coach du Gabon que j'aime bien et qui est aussi... bon, voilà, on va essayer de voir hein, si les tentacules peuvent aller jusqu'au Gabon. Mais d'abord, on va d'abord prendre les premiers arrivés et faire le travail qui va avec. Et ensuite, on va voir. On va voir. Mais ça ne va pas se passer en ligne. Ce n'est pas que de me connecter en ligne. J'ai dit, venez, voici. Non, non, non. Je n'ai pas d'énergie à mettre sur ça. Mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour travailler les structures que j'ai mises sur pied par rapport à ça. Et c'est, moi, je suis une personne de passion. Je suis une personne passionnée de nature. Donc, ça va. C'est vraiment ce que j'aime. Je serais à l'aise avec. Je serais trop à l'aise. Mon Dieu. Juste à penser, mais aussi, ah, c'est bon à moi jusqu'à. C'est bon à moi jusqu'à. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Quelque chose m'a piqué, je sais pas. On dirait que je me suis assise sur une terrasse et puis un moustique m'a piqué. Je comprends pas. J'ai un bouton. Moi, je suis une personne qui n'a pas souvent les boutons, hein, je vous dis. Mais les moustiques m'aiment beaucoup. Quand j'arrive à Douala, là, on s'assoit ensemble comme ça, là. C'est moi celle que les moustiques piquent. J'arrive à Douala, on s'assoit ensemble. C'est moi celle que les moustiques piquent. Je vous jure. Je comprends pas. On est assise ensemble. C'est moi celle que les moustiques piquent. Ah, c'est moi dépassée. Donc. On va gérer. C'est gérable. Est-ce qu'il y a des questions? Je donne 5 minutes pour les questions, puis je vais partir. J'ai des trucs à faire. J'ai des coups de fil à passer. C'est un peu tard quand même, mais les personnes que je dois appeler sont des couches tard au pays. Je dois faire des coups de fil. 237. J'attendais la réponse. Je ne sais pas si dans mon WhatsApp, ils m'ont déjà répondu. Mais ça s'annonce bien. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie vraiment l'inspiration divine. Je remercie l'équipe en arrière. Oui, Gospel dit qu'elle va aussi ouvrir sa part pour montrer aux femmes comment arracher les maris. Parfait. Il n'y a pas de souci. On va se talonner.
Chacun va avancer dans son couloir, une tisa et puis une femme terriblement mariée. C'est comme ça. Chacun donnera confiance à qui il veut. Ça ne dérange pas. Comme Tachou Michibé. Quel est ton nom, non? C'est bon à moi jusqu'à. Ouais, quel président! Je te salue, le président. Il est parfait. Le président, il est parfait. Ouais, ok. Le président, il est parfait. Bon, je vous aime, non. Si on vous laisse là, j'ai pas ton nom. Je peux vous laisser, non. Je peux vous laisser, non. Comme t'as toujours, je fais partie, non. Je suis resté beaucoup, non. Ça fait 2 heures, je pense. Ou 1h40, c'est long, hein. C'est très long. Maintenant, les gens qui sont peut-être heurtés, il ne faut pas fâcher. Ça vous choque trop, vous me clashez, ça dérange. Je peux même venir couper une partie, je repose tout ça. Moi, je suis free. Moi, je suis trop free, quoi. Ça vous choque trop, vous allez soulever tout, vous me clashez, vous m'insultez, tout ce que vous voulez. Moi, je suis correct. Moi, pas de problème. Ça me pique même si je vois votre vidéo, je coupe ça, je poste. Mm-hmm. Voilà la vidéo, je coupe, je poste. Propre. Ça chauffe pas. Comment va, comment ça s'appelle? Croti Crota. Comment va Croti Crota? Hey, Croti Crota va bien, ma crème de crème. Clarence est là. Clarence est très, très, très occupée. Franchement, Clarence, oh ma Clarence, qui savait me faire les définitions. Ouais, bah, Clarence, Clarence est là. Clarence est occupée. Quelqu'un dit quoi? Donc, Clarence est très... Moi-même, je ne suis pas très constante dans les directs. Avec Meet and Love, avec l'agence Meet and Love, Rennes Medio Meet and Love, je vais voir comment je vais m'organiser. Il faut que je trouve une fourchette pour faire les directs. J'aurai un horaire de direct carrément. Donc, comme Flore a dit, tu es quitté devant notre figure. Ma, pardonne les coups. Non, j'ai choisi parce que je voulais vraiment m'asseoir calmement et parler. Non, et le frigo est là. Qui? Est-ce que Ngoï peut me commander? Vous faites même, je vais continuer dans le frigo là-bas. Le frigo est là, maman. Je ne suis pas quittée. Que j'ai peur d'elle. Ouf. Je suis venue m'asseoir que sur la chaise ici. Bah, je voulais vraiment être confortable pour vous parler. C'est un choix, quoi. Croti Crota est en train de croter quelque part. On dit que son mari est parti. On dit que son mari est parti. Attends, je baisse bien les épaules. Moi, j'ai le dos large. Donc, si vous venez sur moi, non, mon dos est large. Comment va ma chien? N'est pas si dans l'amour. Comment va Angoulède? J'ai oublié son nom. C'est qui encore que je dois citer ici? Les vieilles chouettes. Et le m'envoie l'insomnie, me tacle tout le temps. Bonjour. Hé, mon Dieu, toi alors, non. Toi, je suis fâchée, mais c'est pas les étoiles ici. Sinon, je me fâche. Zéline, tu dois mettre les étoiles. Tu dois mettre les étoiles maintenant. Prends seulement la carte bleue, là, tu fous. Là, je suis là. Tu dois seulement voir l'étoile monter. Prends la carte, clique sur les étoiles, tu déposes ça ici, toi, là. L'insomnie te tacle. Que tu déposes les étoiles maintenant parce que toi là, hey, ouh, non, ta plainte va arriver seulement à la CPI. Je vais envoyer ça à l'ONU. Je vais envoyer ça partout. Dépose les étoiles vite fait, ma chérie. Tu cliques sur l'étoile, ça te dit le nombre que tu veux donner. Tu bombardes seulement, poum, tu mets la carte bleue, poum, l'argent sort dans ton compte, ça entre dans les étoiles, poum, c'est fini. Tu cliques sur l'icône en bas qui dit que les étoiles là. Oui, tu cliques et puis tu, ça te dit ce que tu veux donner comme étoile. Tu cliques sur ce qui est épinglé étoile là. Ça, c'est Visolo qui vient de mettre sa part de quantité là. J'ai épinglé. Avant, j'avais épinglé mon frère d'Angelo. Mais toi, c'est seulement les étoiles. Allez, c'est un peu rien. Bachin est en train de chercher quoi poster pour recevoir un peu d'attention. Bébélé! Bachin va poster, va dire bébélé. Ma chienne, il faut mettre les portes de l'église sont ouvertes. Et puis tu mets bébélé. Ouais, Seigneur, bébélé. Il dit que la femme mariée, son mari dit quoi? Ma chienne, toi, tu te maries quand? C'est comme si tu as 55 ans. Tu te maries quand? Parce que moi, au moins, je suis mariée. Toi, tu te maries quand pas? C'est comme si ta vie, tu vois, seulement passer comme ça. Chut, bon, non, non, on a ce père. Où est-ce que tu as? Ah, ma chienne. Elle n'est pas accident d'amour comme ça. Elle me parle. Je suis comme nous, là. Il y a un petit coup, on fait la même. Je ne vais pas vous faire. Bonne jeune boue. Bonne lobe là. Maman, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ça me demande le mot de passe de Apple. Oui, si tu as.
Voilà, si tu as un, comment tu appelles ça? Ton mot de passe de Apple, parce que dans ton Apple Pay, si tu as configuré tel que, par exemple, ton PayPal ou quoi, ça va te, oui, c'est ça, ton Apple, oui, c'est ça que ça fait. Ça te demande ton mot de passe de Apple parce qu'il faut que tu entres pour que ça compte dans ta facture de Apple. Parce que quand tu donnes par iPhone, c'est Apple qui paye ça. Moi, par exemple, mon PayPal est configuré sur mon Apple. Donc, quand je fais, et mon compte bancaire, donc quand je fais, ça retient une fois dans mon compte le montant. Si ça ne trouve pas dans le PayPal, ça trouve dans le compte. Donc, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Ça te demande ça, ma chérie. Parce que c'est de là que l'argent sort, en fait. Si tu n'as pas. Parce qu'il y a d'autres qui m'ont dit que ça fera avec la carte de crédit. Moi, c'est avec. Mon compte bancaire, en fait. Donc, quand je veux envoyer quelque chose, même si je prends un Apple Pay de quelque chose, c'est comme ça que ça fait. Ça avait le compte bancaire. J'ai un peu branché le téléphone. Ouais, que j'aime quand la vie élastique s'y descend. Ça avait le Apple, parce que tu mets ton mot de passe de Apple que tu connais et ça t'ouvre accès de faire un achat. Tu achètes comme si tu achetais Apple. Oui, c'est ça, comme si tu achetais un truc chez Apple, non? Tu sais, les applications, là, si tu veux payer une application, c'est ça. C'est comme ça que ça fait. J'ai reçu ma carte. J'avais vraiment un achat important à faire. Laisse-moi un peu aller voir en ligne si c'est prêt. J'étais là, je disais, mon Dieu, je veux faire mon achat et ma carte n'est pas encore arrivée. Là, c'est arrivé, c'est bon. Hey, Zéline va me bombarder que boum. Étoile Nababé. Non, c'est pas ça que je veux. Donc c'est un peu ça, tu le mets et puis tu configures et puis that's it, puis ça te donne. Et maintenant Zuckerberg, quand tu mets les étoiles à la fin du mois, quand il nous paye ces étoiles-là. Il nous paye ces étoiles comme salaire. Mon bébé, plus haut, tu sais que tu dois baisser ta tête, non? Comme tu ne veux pas passer à l'écran là, oui. Mademoiselle n'aime pas elle l'écran. Ah, John Bob l'a pris ça. John Bob, c'est vieux. Moi, je dis, non, depuis moi. Depuis longtemps. Ngoï, quand elle venait au Canada, 7-8 ans, j'avais ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un que ma chaise bien conservée. Bob ne t'appuie. C'est vieux, ce n'est pas les chaises de maintenant. Elle dit que montre ton salon. Moi, je vais changer, que je change, que je couche, je pars. J'ai déjà acheté, j'ai investi une fois. C'était 5 000 dollars. 5 000. Et c'est là. Multiplié, non, par 400, combien de dollars, c'est combien? 1 dollar, c'est 400 combien? Si tu vas à XE, tu prends 5 000. 5 000 dollars canadiens. XE, c'est combien? XE, c'est combien? Et Clarence, on te demande, oh. Ouais, Clarence même. XE, c'est combien? Bonsoir, ma chérie Sylvie, comment tu vas? XE, prenez 5 000 dollars canadiens. Vous regardez, c'était le prix, c'est le prix. La boutique est encore là. Ce n'est pas les boutiques comme les briques, les bruits matinaux que tout le monde. Non, 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 non. Oui, tu as mis mot de passe oublié. Tu as oublié. Moi, je ne peux même pas oublier mes mots de passe. Mon Apple Store, mon ceci. Moi, les mots de passe là, où j'ai une façon de ne pas les oublier. Ah, bouf, moi là. Si il y a tellement de mots de passe à 7 heures dans la vie. Il y a même déjà les numéros de sécurité qu'on t'envoie pour reconfigurer. Oh non, c'est compliqué maintenant. Pour traficoter, c'est pour ça que ça me l'aide. Le gars qui a peur de quelqu'un au Maroc là. C'est pour ça qu'il ne peut pas traficoter nos comptes parce que c'est devenu compliqué. Facebook a mis des mesures de sécurité très, très graves. Et maintenant, là, quand tu veux entrer, il y a même ce qu'on appelle authentification à deux facteurs. Et authentification, ou c'est quoi là, machin là, c'est pas évident. Hein? Tu dois faire quelque chose de ton téléphone, faire quelque chose de ton compte email. Donc, tu entres dans beaucoup de choses. Si tu n'as pas tout ça, tu vas voler le compte comment? Ça qui sont mal pris maintenant. Hein? Les fraudeurs sont mal pris. Zouk a bien sécurisé ça. Merci Zouk. Merci Zouk. Merci pas Zouk. Merci, merci. Donc, c'est un peu ça, ma chérie. Donc, exact.
Oui, et donc c'est vraiment, tu ne peux plus entrer dans les comptes n'importe comment, hein, ma chérie Zéline, je te jure. Tu rentres là, tu sors là-bas, tu reviens ici, hey, c'est compliqué. Oui, authentificateur, oui, quand on parle d'authentificateur, c'est parce que tu dois recevoir, peut-être tu peux dire que je reçois ça par mot de passe, par message texte, et t'envoie peut-être un numéro à quatre chiffres que tu authentifies. Ou tu dis mot de passe oublié, mais il faut que tu changes ton mot de passe Apple. Donc quand tu dis mot de passe oublié, on t'envoie un email, tu vas dans ton email, tu regardes ce qu'on t'a envoyé, et maintenant tu configures le nouveau mot de passe, et maintenant tu retiens le nouveau mot de passe, et tu t'envoies maintenant rouvrir maintenant. Et là, ça sera comme ton Apple sera à jour, et tu le notes. Tu le notes pour être sûr. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Maman, je vous ai donné beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a encore des questions pour la maman? Ouais, Yako. Quand tu fais une sieste et que tu n'as pas les dettes de sommeil comme nous, là. Non, l'insomnie. Moi, j'ai bien dormi aujourd'hui. Vraiment, ce matin, j'ai dormi le genre que. Hein? Je t'ai dit, j'ai dit que je dors. J'ai dormi. Ça m'a fait du bien. Je vous jure, j'avais vraiment besoin. Pourquoi quelqu'un vient me mettre la tête de mort? Pourquoi quelqu'un vient me mettre la tête de mort? Eh Dieu, j'ai pas le quoi qui est mauvais. Eh Seigneur, ouais, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi on a fini de vous mettre le dos sur vous continuez à ne pas comprendre? Avouez-vous vaincu, on avance. Ouais Seigneur, on va faire comment? Oh, pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi vous mettez la tête de mort comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Je vous ai fait quoi? Ouais Seigneur. Ouais, Seigneur, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Et pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Et comme Tachou, pourquoi je l'ai fait comme ça? Ils ne s'avouent pas vaincus. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi vous êtes 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 comme ça? Pourquoi vous avouez pas vaincu?
Pourquoi finalement vous n'acceptez pas? Pourquoi vous êtes comme ça? Acceptez non. On vous a fouetté non. Solté amen. Pourquoi vous êtes comme ça? 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 Qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi vous êtes comme ça? 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 Et acceptez non. Acceptez un peu non. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Bon, je vous aime beaucoup, mais pourquoi ça me met le truc le chaud ici? Get deal. Je vais demander le deal pour ça. C'est pour cet itinéraire. Maman à l'école. Hé! Je suis contente jusqu'à. Je passe mal en septembre. Maman, le goût de ça. J'ai plus de stress. Que se passe-t-il encore? Ma chérie, oh, laisse-moi. Oh, c'est comme ça. Oh. You already subscribe. Okay, I'm okay. I'm already subscribed. Yeah, thank you. It's okay. Doesn't matter. It's okay. Let me follow this one. Oh mon Dieu. Je fais des roues. Excusez-moi, hein. C'est pas gentil, là. Hein. En gros. Il y a quoi? Ma fille est partie se laver sans que je lui dise. Mademoiselle allait sous la douche sans que je lui dise. Maman, c'est rare ça. Habituellement, Livna, sous la douche, Livna. Les enfants, si, hein, je vous jure. Un coin, je me veux. Ok. C'est que choix, oui, choix, c'est cher. Choix, je me veux. Il existe un US dollar? No, I need it. It's more expensive. US dollar, oh my god. That expensive US dollar. That means that it's cheap. No, it's not cheap. No, it's not cheap at first price. No, it's too expensive. Forget it. In US dollar, oh, that means that's going to be more. No, forget it. Bon, je vous aime, non, si vous ne laissez pas mauvais. Bisous, 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 bisous. Bye.